Je disais, nous étions en train de parler de l'expérience qu'on a vécue avec Nita et Loris quand on est allé sur le lieu où ça a été très difficile. Et moi, ce qui m'est arrivé particulièrement avec eux, c'était pas le problème de la rencontre, il n'y a pas de souci, parce que peu importe où on en est, quand on est sincère avec soi-même et qu'on est en quête, il n'y a pas de raison qui n'y ait pas d'échange d'informations. Et donc, quand on a reçu le mail de Loris, où j'ai vraiment senti cet appel d'âme, là, à l'intérieur de moi, je savais qu'il y avait, que ça allait être difficile, mais je n'avais pas le choix, il fallait que j'y aille. Et donc, quand on est allé là-bas, qu'on a partagé, et qu'on était dans leur milieu de vie, entouré avec le dôme, les cristaux, tout ça, il y avait cette énergie de l'Atlantide qui était très, très, très présente. Et en fait, moi, la souffrance que j'ai ressentie, à un moment donné, Hélène, qui avait vécu un énorme moment de culpabilité, vécu avec Nina et Gégé, où elle avait vraiment l'impression d'avoir été destructrice dans la relation, moi, je l'ai vécu chez Nita et Loris. Parce qu'on est en train de travailler les cahiers de l'ange avec Genaël. Et nous, quand on est dans notre bulle, on est dans une autre sphère. Et là, d'un coup, on est appelé à aller dans une sphère, dans le passé, où ça réveille des mémoires qui ont été destructrices. Moi, j'ai déjà remonté ces mémoires-là. Après, rien ne dit qu'il n'y a pas d'autre chose qui monte. Et donc, quand on est allé là-bas, ma souffrance a été que Genaël, je travaillais sur ses cahiers, donc, et aussi sur le cahier Le Nouvel Humain, La Nouvelle Terre, La Nouvelle Humanité. Donc je suis branchée à une certaine fréquence, et là d'un coup je me retrouve dans une fréquence qui est beaucoup plus basse et qui est beaucoup plus dense. Et moi qui suis son binôme, c'est-à-dire qu'en tant que binôme, on se soutient dans notre cheminement. Et là, je me suis fait aspirer par une vibration qui était beaucoup plus basse et beaucoup plus dense. Et sur le coup, je ne pouvais plus faire le pilier pour soutenir justement le nouvel humain, la nouvelle humanité, le nouveau monde. Ce que Genaël il avait à exprimer, à passer justement à ce cap-là, plutôt que rester dans l'ancien. Voilà. Quoi. Et lui, qui était à ce moment-là, dans ces écritures-là, où justement il y avait tout le nouveau qui était en train de descendre, et qu'on partageait, donc j'étais en phase avec ça, hein, et que d'un coup, on a cette rencontre-là, eh bien, moi, la souffrance que j'ai eue, c'était pas vis-à-vis de Nita et Loris, parce qu'on a vécu ce qu'on devait vivre, et c'était très bien, parce que ça a permis de clarifier des informations qu'on avait vécues au Bézu, où le propriétaire, il était avec les cristaux, il est planté, et moi, j'étais là, j'avais mal au ventre avec ça, mais je comprenais pas. Tandis qu'aujourd'hui, on peut mettre des mots sur ce ressenti. On sait maintenant qu'est-ce qu'il y avait derrière. Donc, ça, c'était pas un problème. Mais moi, là où j'ai vraiment souffert, c'est de ne pas être le pilier de l'information dont était porteur Genaël. Et là, le soutien plutôt. Ouais, le soutien. Et oui, c'est ce que j'entendais par pilier. Du fait que toi, tu étais plongé dans ces mémoires d'Atlantide et tu n'arrivais pas à ressortir, c'est ça que voilà. Tu veux dire. Voilà. Mais en fait, j'ai compris, parce que tout le temps, je le dis. Tu vois, là, on s'est dit, on se rencontre.
on va vers le nouveau. Mais comme je dis tout le temps, on ne peut pas aller dans le nouveau avec des valoches qui pèsent 3 tonnes. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, si vous voulez... Pleine de cristaux. j'ai compris ce qui se jouait avec Nita et Louis, c'est-à-dire qu'il fallait que ces mémoires-là, elles puissent s'exprimer. Voilà. Parce que nous, notre cheminement, avant tout, c'est du service d'autrui. C'est-à-dire, c'est du partage d'informations. Parce que moi, ces infos, je les ai en moi. J'ai pas besoin de rencontrer des gens qui sont dans les cristaux. Je m'en fous, ça m'intéresse pas. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire circuler l'information, de partager l'information. Et donc, je comprends que tout était juste, mais là où je me suis fait, j'ai vécu l'attaque qui n'était pas directement de Nita et Louris, hein, mais des prédateurs transdimensionnels où justement j'étais sous la vague, j'arrivais pas à émerger quoi. Et la vibration était tellement dense que sur le coup, ben, on pouvait pas amener le nouveau. Et quand, pardon, excuse-moi, je finis là-dessus. Excuse-toi de... Quand on a voulu parler du nouveau, eux ils nous ont dit on arrête là. Wow. Et là j'ai dit mais c'est énorme. Parce que moi quand même. J'ai tellement fait ressortir des choses, puis je suis comme ça, hein, quand la prédation elle est là, elle vient toquer à ma porte, elle dit, montre que je suis là, que j'existe. Donc forcément, quand il y a un programme, je l'exprime. Mm-hmm. Mais c'est pas contre la personne, c'est pour justement faire table rase, pour justement enlever ces bagages qui sont trop lourds, et pour créer ce nouveau, il faut que ça sorte tout ça. Et donc, quand j'ai vu tout ça, là, je me suis dit, ok, faut faire un choix. Faut faire un choix. Et là, j'ai dit, j'arrête de culpabiliser, je prends ma responsabilité, mais c'est ce que je n'ai pas vu, c'est que j'ai tellement pris ma responsabilité que sur le coup, vis-à-vis d'eux, je leur ai dit, écoutez, moi, j'ai vu mon alter saboteur d'avoir soulevé leur programme, je culpabilisais de ça. Parce que sur le coup, j'avais l'impression de ne pas pouvoir laisser la place à Genaël dans ce qu'il devait exprimer. Donc je me suis dit, j'ai pris ma responsabilité. J'ai juste en haut. Le bouton en tout de la lampe. Tout en haut. Ah, tourne deux fois. Encore. Voilà. Et donc j'ai pris ma responsabilité et j'ai dit, voilà, moi je vois mon alter saboteur qui ne veut pas que l'information émerge. Et j'ai tout pris. En fait, j'ai tellement tout pris en culpabilité que. À un moment donné, j'ai dit, ou je continue dans la culpabilité et je m'effondre, ou alors je l'accepte et puis je me transforme. Et l'après-midi, j'ai dit, j'ai vu ma culpabilité, table rase. Et là, ils nous ont dit, pour nous, c'est so much. OK. Et là, j'ai compris que ça ne pouvait pas aller plus loin. Et pour le nouveau monde, c'était pas prêt. Dans leur réalité à eux, nous, on arrivait avec nos gros sabots en tant qu'intérêt. On faisait de l'intrusion dans leur monde, quelque part, même s'ils l'avaient demandé. Donc, de leur point de vue à eux, et de notre point de vue à nous, c'est effectivement ça. C'est qu'il y avait besoin de dire les choses telles qu'elles étaient, pour que eux, s'ils en sont capables, prennent l'information pour pouvoir se transformer. Quoi. De toute façon, quand ils nous avaient écrit, ils ont dit, eux, ils étaient sortis du New Age, tu vois, ils avaient vu ça. Ouais, on est sortis du New Age, mais on est arrivé, c'était en plein dedans. Voilà. Vous ne savez pas que le nombre de personnes qui sont encore noyées dans ces illusions, qui nous écrivent, ils ne savent pas qu'ils sont encore en plein mais dedans. Mais non, quand on est dedans, on ne le sait pas. Moi-même, je le suis. Non, enfin, je suis en train d'écrire sur, justement, à quel point le Love Bite, qui fait partie de la réalité 3D du New Age, j'en relève des couches et des couches, quoi. Donc, en fait, on est habité par ça. Bien sûr. On est imprégné, ouais. Complètement imprégné. Et c'est vrai que c'est difficile parce que on a toujours, et on revient toujours à ça, la pensée du prédateur, il est ce qu'il est, mais souvent il nous fait croire des choses qui sont pas du tout la réalité, quoi. Et on s'en rend compte justement parce qu'on vit les expériences. Et effectivement, on ne pouvait pas parler du nouveau monde parce que ce n'était pas le moment pour parler de ça. Il faut que, justement, il faut se dire, ok, il y a ça dans la valoche, ok, d'accord. Rien que le fait d'être d'accord avec ça et d'être en paix avec ça, de se dire, j'ai la valise pleine, mais j'accepte que c'est un processus et je vais me libérer de cette valise. Là, il peut se créer quelque chose de nouveau, parce qu'il y a une ouverture. Mais il y avait la fermeture, pourquoi ? Parce qu'il y a l'identification.
Quand on dit à quelqu'un quelque chose, genre, ah ben oui, on pointe le doigt sur un moment de culpabilité, ah, de suite, ça y est, mon Dieu, je suis coupable, j'ai fait quelque chose de mal. Ben oui, quelqu'un qui, par exemple, vibre à travers la poésie, qui écrit et qui passe beaucoup d'énergie à écrire de la poésie, ben, le fait de pointer du doigt que la poésie est vecteur de prédation par excellence, on va dire, en fait, tous les arts. Les arts. Tous les arts. Et oui, oui. Tous les arts sont vecteurs de lézards, quoi. Et du coup, bah, en fait, la poésie, du fait que c'est une hypnose par les mots, ça permet de faire passer un message direct depuis la 4D à travers le prédateur qui habite la personne. Donc si la personne, elle vibre tellement ça que c'est impossible pour elle de recevoir cette information, bah, c'est normal qu'elle reste bloquée. Je reconnais que quand vous avez mis leur lien, leur site, je suis allée voir, comme j'ai Naël, je ne suis pas arrivée à lire. Quoi. Mes yeux sont partis dans tous les sens, je dis, c'est pas pour toi. Je ne comprenais pas du tout ce qu'ils essayaient de dire. Ça devait être très simple. Hein. Ouais. Et j'ai cliqué, j'ai fermé la petite croix. Je dis, c'est pas pour toi, tu n'arrives pas. Quoi. Oui, parce que ce n'est pas les mots, c'est une question de fréquence. Ben, oui, je ne suis pas arrivée. Hein. Mais même pas, j'ai même pas essayé de bien lire. Ça m'a foutu un mal de crâne. Je me fais confiance en ce cas-là, c'est pas pour toi. Clac. En tout cas, je t'en prie. Non, juste que moi, ça m'a vraiment. C'était super important pour moi cette information selon laquelle effectivement tu peux manipuler l'autre avec des mots ou avec les arts, quoi. Je me souviens que quand j'ai réalisé que la danse c'était un programme chez moi et qu'en fait par là passait tout un souterrage énergétique. Depuis la 4D, ça a été un de ces chocs et je me suis dit comment je fais pour éviter ça tout. Ouais, donc conserver la partie, on va dire, SDA de la danse, si je peux m'exprimer comme ça. Oui, mais c'est ça. Ouais, et je n'ai pas encore trouvé comment, hein, mais c'est ça. C'est ce qu'on disait ce matin un peu. Hein. Oui, c'est. Ouais, parce que ça fait danser partie de ton art. Voilà, c'est voilà. Ça. Voilà. C'est pas en fait. Tu ne dois pas danser pour un besoin de reconnaissance. C'est ça. Tout simplement de danser pour toi, pour le plaisir de danser. Pas pour les autres, c'est pour ça. Toi. C'est ça. Point. Ouais. Et si je peux transposer, tu sais, j'ai fait un site et tout le monde m'a dit, mais t'as pas de visiteurs. Je m'en fous. Je kiffe ça, moi. S'il y a plus personne qui tombe dedans et qui cherche des trucs à faire, parce que c'est un peu compliqué de tout de suite réussir avec ces recettes qui sont difficiles à doser, ouais. Je suis contente et j'ai pas besoin de connaître son identité. Répète ton site, comment ça s'appelle ? Recette cétogène. Vous avez entendu? Mais on l'a mis en lien. C'est, que tu me l'envoies, c'est comme toi. Oui. Fiche. Je crois qu'on trouve une fois, il n'y a pas des gens qui, qui te demandent et quoi, et qu'est-ce que tu. Et alors, Ellie est là-dedans. et je sais kiffe ton moment, c'est tout. Mais les gars, moi je suis pas là. Tu épluches les tomates, je kiffe. Et je ma fille a des super assiettes de restaurant. Elle a 2 ans. Et j'utilise les cercles et tout, des trucs de ouf que même pas pour moi je fais, hein, parce que moi je mange cette eau, je fais ça vite et mange peu, mais j'ai envie qu'elle soit bien et je kiffe faire ça. Ouais, ça c'est tard. Ouais, j'adore. Ouais. Et si je pouvais prendre des photos là, même Fred il me dit, ta mère, tu sais, c'est joli ce qu'elle t'a fait, maman. Et elle, oh, elle est toute contente. Moi je suis dans la cuisine, mais je suis contente que tu sois contente, mais avant tout, je crois que je me suis éclatée dans la cuisine, à couper ces petites tomates, mettre la ciboulette et tout. Voilà. Tout simplement, mais j'aime bien faire ça. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que donc le fait que l'art soit utilisé par les lézards, c'est vrai que chez les artistes, mon Dieu quoi, ils sont tellement égocentriques, c'est terrible. Et ils ont tellement l'impression aussi, ça j'ai vu ça dans une réunion, je dis, il n'y a pas une semaine, ils croient, par exemple, ils croient qu'ils sont le danseur. Ouais. Et ils croient qu'ils sont le programme. Et alors, ils savent pas s'en défaire et ça leur est une souffrance. Enfin, si ça s'arrête, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Absolument. Et ça aussi, j'ai dit waouh, mais alors vous êtes dans la merde, les gars, hein, parce que effectivement, parce que non, mais c'est vrai, c'est terrible, parce que qu'est-ce qu'on fait alors? Enfin, je dis non, c'est une partie de nous. Et puis voilà, c'est un alter. Moi, je dis c'est mon alter qui danse. Parfois, c'est mon alter qui danse en fait. Et puis voilà, et puis parfois elle dort, et enfin, je sais pas. Mais ça m'a vraiment choquée, bref, la semaine dernière quand on parlait de ça. Et c'est super important pour moi de différencier quand, qui me pousse à aller dans la danse.
Et après, c'est vrai que c'est pas le problème de faire la chose. Non. C'est avec la conscience avec laquelle on fait la chose. Oui. Oui, comme la poésie, qui a été soulevée bien comme il faut, ben, en fait, c'est comme tu dis, danser, si c'est pour se donner en spectacle aux autres, là, on fait passer des choses que le prédateur, il arrive, vu qu'il y a le regard des autres. Alors que si c'est danser pour soi, et si rien n'empêche d'avoir envie d'écrire, de se lâcher, d'écrire un poème pour soi, voilà. Ça c'est pareil, quoi. Mais par contre, y a des... à chaque fois, c'est le besoin de reconnaissance par l'art, en fait. Et qui veut être connu, le prédateur. Ouais. Voilà. Ouais. Et par rapport à Shenita et Loris, ce que je me dis, c'est que les personnes qui regardent peuvent sentir un décalage entre notre énergie quand on est en train d'échanger et les commentaires qui sont écrits sur le film. Mm-hmm. Parce qu'en fait, par exemple, Sandrine, elle expliquait que y a eu une... Enfin, qu'elle n'était pas là pour soutenir Genaël et tout. Mais quand on regarde le film, on peut se dire, ils sont décontractés, tout va bien, ils rigolent et tout. Et en fait, c'est ça qui est important de voir, c'est qu'il y a différentes étapes. C'est-à-dire, il y a la première étape où il se passe ce qui se passe, qu'on n'a pas forcément le recul, qu'on est sous l'hypnose de chacun de nos prédateurs et du cartel qui est là. Et du coup, il se passe des choses. Et après, au moment du montage, il y a justement cette prise de recul qui fait qu'il y a des commentaires qui sont en décalage avec ce que nous, on est en train de vivre. Parce que... Après, c'est une maturation. Voilà, c'est ça. Et c'est tout à fait normal, et nous, on le comprend très bien. On le sait qu'il y a eu ce travail, de toute façon. Et, et puis, on le sent aussi... Enfin, par contre, on sent aussi des trucs du live, j'ai envie de dire. Enfin, Oui. On te sent prendre 1000 gants pour expliquer qu'est-ce qu'ils font pris d'ailleurs en train de nous parler. On ne connaît pas cash, on ne connaît pas cash. Mais on le sait que c'est parce qu'il y a le truc qui agit, quoi. Et là, vous pouvez voir comment Sandrine a été avec David en essayant de lui expliquer les trucs sans le... Pour moi, mais merci à ma guidance de m'avoir menée là, de m'avoir fait vivre cette expérience. Je suis sortie de chez eux à Genève, j'ai dit c'est terminé. Mais c'est terminé. Et depuis ce jour-là, la culpabilité, eh ben, je peux vous dire, je l'ai mis où je pense. Hein. C'est terminé. Mais vraiment, je veux dire, je savais qu'on allait réouvrir le réseau Léo, que moi, là, c'était terminé. C'est l'alignement. Il n'y a plus de culpabilité. C'est grâce à Shenita et Loris qu'il y a eu ce revirement de cet hiver sur le réseau Léo. Oui. Et que du coup, comme il y a eu cet alignement avec la culpabilité, ça fait un gain d'énergie énorme. Je veux dire, c'est d'abord Sandrine qui reçoit les mails et qui tranche. Mais moi, me fait un gain d'énergie aussi. Quoi. Enfin, je le sens, le tranchage, c'est énorme. Et ça me fait aussi bosser sur ma culpabilité. Parce que les expériences, elles m'arrivent. De toute façon, je dois m'aligner aussi. Et du coup, je vois bien le fait de s'être aligné en réouvrant, après avoir bossé sur l'e-book, le réseau Léo d'une toute autre manière, en sélectionnant, en écrémant, et du coup, il y a beaucoup moins de prise énergétique. J'allais dire, vous devez avoir un travail de lire plein de mails superficiels. On avait un travail de titan. Oui. Mais bon, après, quand tu lis nos petits messages, ça regarde. Ah, ouais, parce que ça demande de sortir de toute culpabilité. Après, je veux dire, celui qui veut se transformer, il ne s'arrête pas à ça. Il n'y a pas de limite. C'est ce qu'on se disait avec Ellie, juste un petit peu avant de venir. On se disait, tu sais, on va se prendre des petites bandelettes blanches. On va se prendre des tartes. C'est le prédateur qui se prend les bandelettes blanches. Mais entre guillemets, pour se remettre en question. Oui, donc, vive les bandelettes blanches. Ben voilà. Alors là, le prédateur. Si on doit y en avoir, je suis contente parce qu'on est là, on a 3 jours pour bosser sur nous. Ça va, c'est comme si il y en a qui mettent 3 ans, on va le faire en 3 jours. Pour celui qui veut vraiment y aller. Vive les bandelettes blanches. Oui, et alors vos phrases en rouge, là, non, super importantes. Hein. Moi, non. Des phrases en rouge. Des phrases en rouge qui sur disent. Bon, ah oui. Ah, sur le réseau Léo. Qui mettent des clairs. Tu vois. Warning. Attention. Alors, petite mise au point ici. Oh, okay, ouais. C'est magnifique. Parce que moi, c'est en lisant un truc comme ça que j'ai eu un premier coup de clochette, la réveil. Et bien, c'est normal que ça fasse écho. Parce que c'est une survie. Oui, c'est ça. Tu vois, Genaël, lui, c'est la force tranquille. Ouais. Moi, je suis la force du feu, tu vois. Et là, quand ça commence à brûler à l'intérieur de moi, d'un coup, je suis toute excitée parce que je ne veux pas brûler, quoi. et sur le coup, je transmets mon info à Genaël. Et je sais que lui, s'il doit être
Et des fois même, c'est moi qui prenais les gammes pour arrondir, ouais, arrondir les angles, parce que lui, culpabilité, s'en fout pas vraiment. Et t'as bien raison. Il n'y a pas tout ça. C'est un programme qu'il faut virer. Ah oui, non, mais c'était moi qui devais me décroter de la culpabilité. Parce que, justement, dans mes mémoires, ben, mes confrères, ils ont péri. Et étant donné que c'était tout frais, j'ai dit, ben, cette fois-là, je ne vais pas les regarder périr, quoi. On va faire un travail ensemble. Mais comme je dis, moi, je prends tout sur moi. Et c'est là où, après, j'endosse le costume de sauveur. Et là, tout était juste. C'est vraiment... je regrette rien du tout de toute l'énergie que j'ai mis au tout début du réseau Léo jusqu'à ce qu'on fasse la pause. Parce que j'ai pris beaucoup par la main. Dans l'énergie, moi-même, j'ai fait un gros travail intérieur. J'ai pris tout le monde comme si c'était une partie de moi. Et donc, j'ai tellement pris qu'à un moment, j'ai dit, bon là, stop, maintenant, il faut centrer parce que, comment dire, c'est un apprentissage pour tout le monde. Donc, tu donnes un exemple, c'est un exemple. On le prend ou on ne le prend pas. Et je me suis dit, et là au moins, tu vas dans l'économie de ton énergie. Et là, ça a tout arrêté. Et c'est vraiment la rencontre chez Nita et Loris. Ouais, ça a été la vague, l'engloutissement. Et là, je me suis dit, bah, écoute, eux aussi, ils ont un choix à faire. Quoi. Ils feront ce qu'ils veulent. Ils sont les bienvenus. Mais si leur prédateur est là pour leur dire, ouais, tatati, ok, pas de problème. Comme pour Nina, en fait. C'est le même phénomène que pour Nina. Parce qu'ils peuvent s'arrêter en disant, oui, eux, ils n'ont pas vu leur prédateur. Oui, on a tous des prédateurs. Mm-hmm. Mais après, c'est est-ce qu'on est capable de regarder le nôtre qui est en train de saboter de l'histoire, saboter, quoi. Oui. Et c'est ce qui m'a été demandé, moi, quand on a vécu ce truc avec Gégé, avec Nina, c'est est-ce que je suis capable d'aller voir mon prédateur que l'extérieur me renvoie, quoi. Oui. Et si moi, je me focalise sur le prédateur des autres, genre Gégé, il a rien compris, Nina, il a rien compris, machin, là, moi, je suis la victime, et ben forcément, je reste dans mon truc, quoi. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes face à ce tranchage. Ok, il n'y a pas les mots qui sont... pile poil adapté aux blessures de chacun et tout, c'est pas de la communication non violente, donc ça peut être hyper choquant et pris injuste, mais si on n'a pas cette force pour dépasser ce côté injuste que le prédateur il voit comme ça, et ben du coup ben, forcément on reste là-dessus et on reste bloqué, quoi. Donc ça c'était c'est super important, enfin c'est vrai que moi j'en parle souvent de ça parce que c'est super important à comprendre ce processus dans le cheminement SDA qui est en dehors de tout ce qu'on nous a appris dans la bienveillance et tous les trucs en anse. Là. Ben, ce sont des initiations. Ce sont des initiations. Ouais. Et grâce à ces expériences, on est là aujourd'hui. Ouais. On est plus loin. Ouais. Ah oui. T'as envie de Nicole qui a envie de dormir un petit peu. Ah, tu vois ça, mais toi, tu dors. Si tu as de sommeil, laisse-toi partir. Oh, ouais. Non, mais j'ai pas envie de dormir. Non, au Canada. Mon prédateur vient. Au Canada, comment ça se passe un petit peu? Ben est-ce qu'il y a d'autres groupes de type Léo qui fonctionnent? Ben, il y a le groupe Personocratia, bien sûr, qui est en train de se disloquer, parce que les gens prennent leur information partout, et puis ils l'ont pris, ils ne l'ont pas pris. Il y a toujours un petit réseau qui reste, mais vraiment très petit. Puis même moi, je ne suis plus impliqué dedans. Je fais ce que j'avais à faire. Je remercie pour tout ce que j'ai appris, mais je ne suis plus impliqué dedans. À part ça, quel autre groupe qui a... Je ne les connais pas tellement, il y en a sûrement, mais... Tu disais qu'il y avait du monde qui était dans l'attente par rapport à toi. Oui, on est une dizaine à peu près, là. Je te vois, ils m'ont envoyé un message hier. T'as oublié, maintenant. J'ai pas oublié, je l'ai délibérément lâché. J'ai dit, c'est pas, peut-être pas ça à faire, hein. Pour nous dire comment ils sont contents et comment ils remercient tout le monde et tout. Et puis qu'ils ont hâte que je revienne pour leur parler. Je crois qu'il faut vraiment les soutenir parce qu'ils n'ont pas tout à fait encore la même énergie qu'ici. Même je remarque qu'il y a un gros décalage entre eux et moi. Mais, et puis du fait que bon, je sois un petit peu la plus âgée, ils ont tendance à me regarder un petit peu, mais... Bon, on n'habite pas tout près, mais on s'organise pour se rencontrer. Mais ils ont vraiment la volonté. Les Québécois, particulièrement, sont très... Quand ils veulent quelque chose, ils y vont. Oui. Du côté anglais, ça ne marche pas du tout, mais pas du tout. Ça n'a jamais cliqué aux États-Unis. Et c'est pour ça que ça tombe, quoi. C'est
Et Guylaine Langto, alors? Pardon? Guylaine? Ben, continue à répéter sa même salade. Toujours, toujours, elle a des... Excusez, salade. Dis les mots que tu as besoin de dire, elle va se oui, oui elle fait des capsules. Oui. Tous les 15 jours, oui. Des capsules sur les événements qui passent. Oui. Mais les capsules, ce sont ses ateliers. Ce qu'elle nomme capsule, c'est des petits films d'un quart d'heure. Tout petits, parce qu'elle ne peut plus réunir du monde. Oui. Puis elle les fait chez elle, elle s'est organisée. Elle a son assistant France qui est vraiment... Mais moi, je me dis, le jour où elle va être séparée, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, si ça va tomber ou quoi. Mais elle, elle va avec ce qui vient. Oui. Elle dit, je ne peux plus me déplacer. Oui. Eh bien... Il y aurait une façon, puis sa façon de se déplacer, c'est les capsules. Mm-hmm. Donc, elle est très cool, très bien. Moi, j'aime bien être de son énergie, mais elle revient toujours, elle tape toujours sur les mêmes choses, parce qu'elle dit, moi, c'est ça. Il n'y a pas d'autre. Oui, il faut toujours taper sur les mêmes choses. Il faut que ça fait plus que 20 ans qu'elle les répète, puis il y a beaucoup de gens qui en sont fatigués, puis ils répètent toujours la même chose, parce qu'ils passent vite dessus. Ouais. Ils ne vont pas vraiment à la racine. Mm-hmm. Elle, c'est radical, et puis bon, c'est une personne extraordinaire. Elle a passé par toutes sortes d'expériences et tout. Il y a beaucoup de gens qui la refusent, mais de plus en plus, on sent qu'il y a des gens qui accrochent. Oui. Par exemple, par le jeu, elle fait bien attention de séparer le jeu de personnes cancer, pour ne pas essayer de récupérer du monde, tu vois. Mais de temps en temps, il y a un petit message qui passe, il y a quelque chose, et puis les gens, on sent la qualité des gens qui viennent au jeu, ce sont des gens qui sont ouverts aussi pour personnes cancer et qui vont s'y glisser, mais de quelle façon, on ne sait pas. Mais on a une très 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 belle, surtout là où je vis, une très belle énergie. Bon, il paraît que c'est parce qu'il y a une mine de cristal. On va envoyer Gégé, il va faire son enquête. Ben oui, il y a une mine de cristal là, dans le canton de l'Est, là où je vis. Puis c'est un endroit qui a beaucoup de portes, des portails, et puis qui semble être très propice à toute cette énergie. C'est la raison pour laquelle je suis là, en fait, je ne savais même pas. Je l'ai découvert étant là. Et c'est là qu'on trouve toutes les concentrations de groupes, de gens, de travail. Il y en a, mais... Je vous avais envoyé un PDF sur le voyageur. Oui. L'avez-vous lu? Ah oui, je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas quoi faire avec ça. On ne l'a pas lu. Non, mais j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Je fais combien de pages? Je sais pas. Le voyageur, ça me dit. Oui, oui, il y a peut-être. Je l'ai mis en PDF. Comme ça. Ouais. Et puis il distribue ses cahiers. Et puis lui, il part sur le son. C'est le son qui est tout. Chaque personne a un son dans les oreilles. Ah si, moi j'avais lu. Ça m'a pas parlé. Moi, ça m'a pas parlé du tout. J'ai essayé de me raccrocher à ce groupe parce que c'est celui qui est le plus proche, proximité de moi. Et puis, mais ça colle pas. J'y vais juste pour ne pas perdre le contact. C'est quelqu'un qui se place en tant que... qui analyse le son qui est propre à chacun et la vibration qui est propre à chacun. Il dit qu'il est le voyageur. Et les énergies sur lesquelles il peut se brancher. Il va dans les galaxies, la galaxie des fleurs, la galaxie de ci, la galaxie de ça. Puis il y a plein de gens qui viennent et qui sont là pendus à ses lèvres. Moi, j'ai essayé deux fois. J'ai dit non. Oui, ben, c'est vraiment pas pour moi. Je ne sens pas et je ne vais pas aller dedans. Même si j'ai beaucoup d'amis dedans qui... Mais comment ça ne parle pas? Non, ça ne me parle pas. Bah voilà, tu as ta réponse. Ouais. Ah ouais, de toi-même. Oui, ça ne me parle pas, donc. Mais ils sont dedans et puis ils sont aussi... Beaucoup sont dans Stop Mensonge. Oui. Avec Freeman et puis Estelle, que je connais très bien. Ouais, donc c'est dans... Quand tu dis beaucoup, c'est les 10 personnes qui sont... Ah non, non, ces personnes-là, ce sont des personnes qui sont tout à fait indépendantes de tout ça. D'accord, ok. Sauf deux là-dedans. Une, qui est deux, qui se sont retrouvées dans Personne Cassia. Et que moi, j'ai rencontré bien après, dernièrement. Pas, d'accord. Ça fait pas longtemps. Quand j'ai demandé les contacts, là, il y en a deux, trois qui se sont manifestés. Puis ce n'était pas des gens du tout que je connaissais du tout. Et puis, bon, je sais pas, mais je sais pas comment ça va se faire, mais moi je suis pas prête à prendre les rênes de quoi que ce soit. Parce que Stop Mensonge, c'est caractérisé par la lutte. Et la dénonciation. Oui, c'est ça, c'est lutter contre quelque chose. Donc, tant qu'on est dans la lutte, on reste accroché au système SDS. Ça me parle juste, c'est mon seul moyen d'information. Ouais. Parce que je regarde pas les nouvelles, je lis pas les journaux, je n'écoute pas la télé, tout ça c'est fermé depuis longtemps chez moi. Donc, Stop Mensonge me donne au moins des petits indices de ce qui se passe dans le monde. Je les lis, puis je laisse là où ils sont. Ouais. Comme Corey Good et puis l'autre là. J'ai jamais été vraiment impliqué à les lire. Pour moi, ça va trop loin, c'est trop compliqué. Et c'est pas ça que j'ai à faire. Je vais juste dire un truc avant de passer à autre chose par rapport à Guylaine Langto. Ce que moi j'ai ressenti en fait, quand j'ai vu
ces conférences, je disais, waouh, quelqu'un qui va loin, qui a son propre chemin et tout, il y avait quelque chose qui était super fort. Ah oui, oui. Et après, j'ai quand même senti cette histoire de lutte, en fait. Ne pas avoir de carte d'identité, pas de chéquier, pas d'assurance, son nom, enfin changer son nom. Non, elle ne demande pas ça. Je veux dire, elle explique clairement que son nom, c'est le nom du mouton et qu'elle n'en veut pas, quoi. Oui, oui, bah, donc, elle fixe dessus. Donc, du coup, il y a cette. Bien qu'elle fait un chemin super profond et qu'elle acte beaucoup de choses, en fait, il y a quand même ce truc de résistance qui reste. Mais de elle lutter a beaucoup évolué, mais énormément évolué, parce que à un moment donné, il y a eu comme une scission qui s'est faite. Mm-hmm. Par exemple, Mado, qui était vraiment son cheval de bataille, Mado est parti à cause des livrets. Il y a eu un problème encore que le nom de Mado n'était pas assez dedans. Ils font payer les livrets. Mais elle n'a pas de ISBN. Elle a tout lâché. Et elle a beaucoup évolué à ce niveau. Elle a lâché. On sent. Et à ce moment-là, il y a eu vraiment beaucoup de gens sont partis de Personne Ocasia. Et c'est resté. Tout le monde avait peur que ça s'arrête. Mm. Dernièrement, moi, j'ai été à un nouvel atelier avec elle parce que je voulais voir où j'en étais et qu'est-ce que je ressentais de ce qui continue. Ce sont des gens que j'aime bien, mais je n'ai pas envie d'être toujours accroché à ce wagon. J'ai été à cet atelier de 7 jours qui s'appelle l'Assomption. Et puis, il y a eu beaucoup de choses, mais on n'arrivait pas à causer d'autre chose que des thèmes des ateliers. Pourtant, c'était chacun qui apportait son thème. Mm-hmm. Mais ça revenait toujours au même thème, aux mêmes histoires. Et puis là, elle nous a avoué, je veux dire fort, parce qu'il y a d'autres gens qui l'entendent, mais de toute façon, elle est dans la vérité, elle n'a pas de problème, qu'elle a été très affectée pendant ces 2 ans où il y a eu une pause. Elle a été tellement affectée qu'elle a fait un grand retour sur elle-même. Elle a pleuré devant. Ça ne se passait jamais. Et là, on a senti qu'il y avait quelque chose qui s'amollissait, quelque chose qui, tu vois, qui lâchait. Qui lâchait, et on le sent énormément, tu vois. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Et elle est très contestée au Québec. On a qu'à dire, Guylaine Langto, ah, la femme qui ne paye pas d'impôts, ah, la femme qui conduit sans licence, la femme qui fait ci. Elle s'en fout comme de l'autre. C'est ce que j'admire chez elle, sa stabilité. Puis elle sait où elle va, puis elle continue. Puis moi, j'ai beaucoup appris avec elle. Bien sûr, ce qui n'était pas pour moi, je n'ai pas pris. Mais je n'ai jamais vu comme un gourou. Il y a beaucoup de gens qui étaient là, assez basques. Hein. Mais elle disait non, moi je vous dis qu'il y a un autre chemin. Voilà ce que je fais. Si vous voulez le faire, d'accord, vous ne voulez pas le faire, vous pouvez toujours être là, mais je ne leur donne jamais rien. Et les gens la prenaient comme... C'était la première qui faisait tout ça. Tu vois? Donc, elle est demandée maintenant sur des conférences un peu partout dans le monde. Mais elle a beaucoup... Elle a essayé avec les États-Unis, ça n'a pas marché. Pas marché du tout. Le côté anglais, elle fait des ateliers anglais-français. Il y a peut-être 2 personnes qui parlent anglais et français, mais personne qui ne parle qu'anglais. Donc, elle a compris qu'elle doit lâcher là-dessus. Donc, elle ne fait qu'un grand... 2 ateliers par an, 2 10 jours... Moi, ce qui m'a attiré chez elle, c'est qu'elle a dit « déprogrammation totale ». Puis là, je rentrais, j'étais en train de me remettre dans tout ça. Et quand j'ai entendu « déprogrammation totale », ça, c'est pour moi. Elle fait payer ses ateliers ? Ah oui, bien sûr. C'est pas déprogrammation totale. Non, mais elle te dit « l'énergie a besoin d'être soutenue ». Oui, mais ça, c'est le discours. Enfin, bon, elle l'a fait payer. Puis elle fait même comment dire, les Européens payent en euros. Les Québécois payent en dollars parce que chaque personne. Alors, ça, la trans, comment ça s'appelle là, je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui n'adorent, qui ne connaissent pas. Mais ici, le petit groupe, c'est filoche aussi. Donc, j'ai l'impression que les gens prennent ces informations maintenant partout ailleurs, ils les prennent à leur niveau. Donc, ce n'est plus Guylaine, mais quand même, quand on la voit pour la première fois, on est émerveillé devant elle. Bon, c'est ça, alors c'est comme ça que ça se passe pour le moment au Québec. Et puis, moi, j'ai décroché de tous les groupes et de tout ça, j'en veux plus. J'avais besoin d'être dans des groupes. Maintenant, j'ai dit non, t'es capable, t'es grande fille, tu vas aller toute seule. C'est que je ne suis plus dans aucun groupe. Ce petit groupe de là où je vis, je sens que jusqu'à présent, je ne vois pas ce qui va se passer parce que je suis la seule dans cette énergie. Et je ne sais vraiment pas ce qui va se passer. C'est pour ça que je me suis dit, je ne me considère pas d'être là à vie. Je suis là pour le moment, c'est une étape. C'est ce qui m'était offert et puis je verrai ce qui va continuer, je ne cherche pas.
façon, rien n'est figé. Rien n'est figé, c'est ce que j'ai appris aussi. Donc, il faut couler, il faut aller avec le mouvement. Ouais. Bon, je ne peux pas m'empêcher. c'est que quand même, il y a quelque chose de super important du fait de... Je vais trouver les mots. Mm-hmm. De la profondeur de notre cheminement, mm-hmm. Du cheminement SDA, de la voie du fou, c'est de se confronter à l'inconnu total, à ce monde qui arrive, qu'on est en train de créer, mais mm-hmm. qui est l'inconnu. Mm-hmm. Et tant qu'on reste accroché à la dimension financière, on peut se dire, forcément, on peut pas avancer. Forcément, il faut qu'il y ait un équilibre. Ça, je ne suis pas d'accord avec. Hein. Attends. Ça, du coup, j'ai entendu plusieurs fois dans le monde de la thérapie que j'ai beaucoup côtoyé à l'époque. Mm-hmm. De toute façon, il faut proposer un prix d'une manière ou d'une autre, ou prix libre, ou prix ici, ou prix ça, ou quoi. Parce qu'il faut que l'énergie, elle revienne. Mais quand on lâche totalement ça, c'est là où on se jette dans l'inconnu et où on laisse... l'ange interagir pour nous apporter ce dont on a besoin. Et tant qu'on ne se confronte pas à cet inconnu, donc du gouffre en face duquel ça nous met de lâcher la dimension de l'argent, il y a ça, un premier truc qui est important. Et le deuxième truc, c'est la notion de la prédation. Tant qu'on ne prend pas conscience qu'on est piloté soi-même par un prédateur, parce qu'on peut voir les entités hyperdimensionnelles, les capter et tout, mais tant qu'on n'a pas capté que nous-mêmes, on est piloté par une entité interdimensionnelle, via l'argent, via plein d'autres choses, on devient forcément un canal, même si on a fait un énorme cheminement. Moi, c'est peut-être ça aussi qui m'a un petit peu stoppé. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai été jusqu'où c'était bon pour moi. Après, j'ai dit non, c'est pas ça. Puis bon, il n'y a plus vraiment grand monde autour. Ouais. Plus grand monde. Bon, voilà, j'avais besoin de dire ça, mais de toute façon, elle a quand même des informations super intéressantes. Oui, oui. Mais après, moi, ce qui me... En fait, je ne regarde plus. Il y a un moment, je regardais, mais c'est qu'elle n'acte pas jusqu'au bout et ce truc de résistance. Je ne regarde plus non plus, moi. Voilà. Parce que je sais tout ce qu'elle va dire. Je vois le titre, je sais tout ce qui va venir. Mm. Puis cette question d'argent, elle est maintenant... pratiquement obligée, si tu veux, de continuer à se sustenter, bien qu'elle ait lâché beaucoup. Elle donne des ateliers en jeu, avec un pourcentage en argent, mais le plus gros pourcentage, c'est en jeu. Mais même ça, ça n'amène pas les gens. Ça n'amène pas assez de personnes. Parce qu'elle, elle cherche à amener des gens, et en fait, ce truc, c'est pas... Elle cherche à diffuser, puis bon, si les gens veulent, ils viennent. Mais je ne pourrais pas dire qu'elle est accrochée à l'argent, mais elle est consciente que l'argent est nécessaire pour vivre. Dans la 3D. Puis elle vit bien. Elle vit bien. Okay? Tout le monde lui demande, mais comment tu vis? Comment tu fais? Ok, elle sait qu'elle est, elle est unique. Parce que si un policier l'arrête, elle dit, ok, c'est ma responsabilité, j'en prends la garantie et la responsabilité, je paye. Elle a déjà pris 2 ou 3 contraventions. Mmh. Elle a payé 1 000 $ et tout. Sa voiture a été 2 fois mise à la fourrière pour des caddies. Mais elle passe à travers les mailles du filet, puis mais elle ne s'en vante pas. Je ne peux pas dire qu'elle s'en vante, mais sa copine, très peur. Et c'est cette peur-là qui est à côté de France qu'on sent, qui bloque un petit peu, tu vois. Mais le côté de l'argent, c'est sûr que... Moi, j'avais déjà appris ça avec le groupe japonais dans lequel j'étais. C'est là que j'ai appris qu'il fallait balancer. Enfin, j'ai entendu, je n'étais pas du tout dans ce genre de choses. Ce n'était pas un problème pour moi. Pas un problème d'argent, mais un problème d'aller jusque dans cette façon de voir les choses. Parce que j'avais besoin de quelque chose, c'était l'argent que j'avais qui me permettait de l'avoir, mais je l'avais. Et puis je ne faisais pas... Mais on a une très mauvaise habitude chez nous, parce que c'est un pays vraiment très, très difficile et très spécial, de dire toujours « j'ai pas d'argent ». Et après, moi je me suis dit « regarde dans ton portefeuille, si tu l'as, tu le prends, puis tu faut vider pour que ça puisse se remplir. Tu vas chercher une tasse de café, tu n'arrives pas avec une tasse vide, une tasse pleine. Tu arrives avec une tasse vide. Donc vide. Puis là, je me suis vraiment beaucoup libéré de tout ça et je ne regarde plus aux dépenses. Je dis, jusqu'à présent, dans tout mon cheminement, je n'ai jamais manqué de rien. Pourquoi je devrais manquer maintenant? Donc, c'est que j'avais une attitude qui me ramenait tout ce dont j'avais besoin. Et exactement. Et quand j'ai commencé à en avoir trop, c'est parti. C'est ce qu'on appelle la prospérité. Voilà, c'est la vraie prospérité. Et ça n'a rien à voir avec l'abondance. Oui, mais moi je me dis la vraie abondance, c'est d'avoir ce dont on a besoin au moment où on a besoin, en quantité où on a besoin. Donc, voilà, c'est la prospérité. Voilà.
C'est pas d'accumuler. Non. Non, surtout pas. En fait, c'est vivre à tout tendu. Hein. Et voilà. Voilà, juste comme ça. Ça j'avais beaucoup de choses, mais c'est pas moi qui les avais accumulées. Mais je n'avais pas non plus dit non. Non. Parce qu'ils sont partis, ils sont partis. Tant mieux qu'elle libération. C'est bien, papa. Quelle libération. Exemple avec ta yaourtière. C'est bien. Ah oui. Moi, ça, le jour où vous avez raconté ça, ça a été aussi un déclic. Hein. Je me dis, ok, ah oui, c'est comme ça. Ah oui, c'est logique. Ah ok. Dans l'autre sens, en fait. Eh oui. Et moi, j'ai toujours dit, parce qu'elle parle toujours de l'inconnu, tout le monde a peur de l'inconnu. Moi, j'ai dit non, j'ai peur du connu parce que je le connais. Je sais de quoi j'ai peur. Mais l'inconnu, ça m'attire. C'est comme un challenge. Eh oui. D'aller voir ce qui va se passer. Je suis curieuse. Donc, l'inconnu, ce n'est pas un problème. Personne ne voulait me croire. Ah non, non, c'est l'inconnu qui fait peur. Moi, j'ai dit c'est le connu qui me fait peur. L'inconnu, c'est le terrain de la création. Voilà. Le connu, je sais ce que c'est, je peux en avoir peur. Eh je peux en parler. Il en lise. C'est ça, tu vois. Donc, j'étais toujours un petit peu en porte-à-faux sur bien des choses, mais je m'explique pas. Je ne voulais pas entrer en confrontation, j'aime pas la confrontation. Mais bon, c'est ça, alors voilà. Ça. Je suis content d'être ici. Ça peut nous ramener à ça, en fait. On y va ou... Vas-y, prends la main, ça nous dit. Tu veux lire? Qui veut lire? Ah, bah, tu lis tellement bien. Je lis. C'est un plaisir de t'entendre. Non, moi je lis pas, je chante. Mais non, voilà. il faut voir si tu n'as pas besoin de tout lire. Non. En fait, comment on va faire? Peut-être. Hein? Gégé, il a des questions, lui. Ah, il a déjà préparé plein de choses. Gégé, lui, il a pris ses notes et tout, quoi. C'est bien un paragraphe. Oui. Ouais. Et si on a une réaction sur ce paragraphe, voilà, on l'exprime. Ouais. Et puis on passe au suivant. Ouais, c'est ce qu'on fait tous les trois, en fait, quand on travaille tous les trois. Parce que c'est ce que j'exprimais tout à l'heure hors caméra. Nous les cahiers, avant je travaillais toute seule avec Genaël, maintenant on les travaille à trois. C'est-à-dire qu'on lit, moi je lis le cahier à Hélène, et en même temps ben, Genaël nous explique qu'on va toujours plus loin en fait, pour pouvoir l'intégrer. C'est ça. Et je formule mes pois chiches là, quand il y a des points d'interrogation, des incompréhensions, et du coup ça permet d'intégrer déjà plus, et même les chapitres en fait. Là, récemment, ben voilà, je suis venue avec mon chapitre qu'on a lu tous les trois pour améliorer des choses et tout ça, quoi. Ouais, pour des éclaircissements. Mmh. Démarrage Nouvelle Terre. On y va doucement. Tu veux bien... enfin, tu as déjà pris des commentaires de notes Vas-y voir. Je tiens pas trop. C'est, si tu veux. Le mieux, c'est de travailler comme vous faites. Là, paragraphe par paragraphe. Si on a quelque chose de particulier, on l'exprime, sinon on passe au suivant. Mmh. Ouais. D'accord, c'est on bien. Fait par paragraphe. Ouais, Dans le nouvel humain, la nouvelle terre, l'humanité future. Qu'entendons-nous par humanité future? Lorsque nous parlons d'humanité future, nous ne faisons que désigner la conscience de l'homme positionnée sur une autre trajectoire temporelle, une autre ligne parallèle à notre réalité encore factuelle. Nous savons aussi que la conscience de quatrième densité est une réalité de transition simultanée à la nôtre, et cette fois-ci, non pas dans un futur illusoire, mais dans un présent parallèle coexistant au nôtre sur un autre plan de réalité. L'humanité actuelle, si elle veut s'en sortir, est donc destinée à sauter de lignes temporelles. Ça vous dit ça? Que ça veut dire? Je t'avouerais que là, la petite, elle m'a perturbée. D'accord. Je vais le redire. Tu vois, en fait, parce que il faut bien comprendre que pour l'instant, dans le groupe, là, on travaille dans une pour créer une lignée temporelle parallèle au présent. Le présent SDS, qu'on veut quitter, hein, qu'on veut laisser de côté parce que ça ne nous concerne plus. Mais on n'est pas encore dans la quatrième densité. On est sur on est dans le train qui va. On devrait prendre le train de Narbonne à Roubaix. Oui, en Alsace. Peu importe. Non, Roubaix, c'est chez moi, Nord-Pas-de-Calais. Ouais, bon, c'est pareil. En fait, ça veut dire qu'on va devoir traverser en France. Oui, de Narbonne à Roubaix. La première chose, il faut rentrer dans le train. Déjà prendre le billet. Et le billet, ce serait en fait des gens qui ont lu le réseau Léo et dire tiens, ça m'intéresse. Donc ils prennent le billet. Après, quand ils commencent à lire le réseau, enfin tout ce qu'on fait là, ils vont dire ah, je vais prendre le train. Donc ils vont prendre le train. Il faut qu'ils aillent à Roubaix.
Roubaix, on pourrait dire, c'est la sixième densité. Roubaix, c'est pas encore la finalité. Mais pour arriver à Roubaix, il faut déjà prendre le train. Et le train, c'est lui qui, en fait, qui va changer d'aiguillage. La ligne temporelle qu'on connaît, c'est les gens qui vont tout le temps en TGV à Roubaix. Mais nous, on va prendre un train traditionnel, mais on change la voie. On change d'orientation. On va par d'autres voies, peut-être même pas arriver à Roubaix. Parce que qu'est-ce qui nous attend à Roubaix? Ce n'est pas la Nouvelle Terre, parce que la Nouvelle Terre, c'est Roubaix. C'est le connu déjà. C'est le connu. Mais en fait, ça veut dire qu'on doit arriver vers quelque chose qui est semblable à ce qu'on connaît, donc semblable à la troisième densité, mais qui est neuf, qui est nouveau. Donc on dit, c'est quoi ce bordel? Je connais, mais je ne connais pas. Donc Roubaix, on peut oublier. Donc le train qui va de Narbonne à Roubaix, il ne doit pas arriver là où on voulait qu'on arrive. Roubaix ne doit pas exister. Roubaix, c'est l'ancienne densité. Tu comprends? Oui. On doit arriver dans un autre Roubaix. Ou un Roubaix à côté, ou je ne sais pas quoi. Le Roubaix alternatif. Un Roubaix alternatif, voilà. On doit le construire. On peut seulement le construire pendant qu'on est dans le train. Pendant qu'on bifurque. Oui, dans le train. Pendant le cheminement. Donc c'est bien ce qu'on dit, les grands sages disent, l'important ce n'est pas arriver au bout du chemin, c'est de faire le chemin. C'est ça. Tu vois? Et en fait, c'est ce qu'on est en train de faire. Faire le chemin, c'est la nouvelle humanité, la nouvelle terre. Et c'est pour ça que la nouvelle terre figure sur le crop de Michel Bolton. C'est une densité alternative à notre densité actuelle. Donc c'est une troisième densité alternative, une troisième densité SDS. Ce n'est pas la quatrième densité SDA. Parce que la quatrième densité SDA, c'est une alternative. La quatrième densité, c'est en l'air, si tu veux. C'est éthéré. Ou sixième densité, c'est éthéré. Mais on doit ramener cette sixième densité dans la matière, dans la troisième densité. SDA, cette fois-ci. SDA, ça n'a pas existé depuis... Ça n'a jamais existé depuis l'arrivée des Anunnaki. Donc ça n'existe pas sur Terre actuellement. Et ce sont les Anunnaki qui ont changé notre génétique. Pour, en fait, pendant 10 millions d'années, fonctionner comme eux, ils voulaient. Maintenant, c'est à nous de retrouver notre génétique, de restaurer notre génétique. C'est pour ça qu'on reçoit tous les codes par l'onde, pour arriver à nous défaire de notre génétique Anunnaki. Parce que les Anunnaki, entre guillemets, c'était nos maîtres prédateurs d'abord, mais du coup, ils peuvent devenir nos maîtres enseignants. Mais c'est nous qui allons les enseigner. Parce qu'on enseigne notre passé. Oui. Parce que quand on a nos mémoires passées, ça veut dire qu'on libère nos mémoires passées, ça veut dire qu'on enseigne les Anunnaki, eux. En fait, on est les anges des Anunnaki. Tu comprends? Oui. Et donc, dans le futur, ce futur qui n'existe pas encore, on doit le créer pendant qu'on est dans le train. Sinon, souvent, si on ne le fait pas, on arrive de nouveau pile à Roubaix, donc ce n'est pas la peine. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre que une réalité... Je prends l'exemple de réalité alternative. Si j'en trouve un. Si, Jimmy Gueux. Est-ce que vous avez vu la vidéo de Jimmy Gueux? Ou l'infirmière, l'histoire de l'infirmière dans chez nous dans la région, qui un jour voulait aller à Val-Dieu, visiter une patiente. Donc, elle allait tous les jours faire sa tournée. Et un jour, elle arrive... Et la maison où elle va tous les jours, elle n'était pas là. C'était une ancienne ferme. Donc ça veut dire qu'il n'y avait plus le même paysage. Ça veut dire qu'elle voulait y aller, il y avait deux chiens, deux gros chiens qui attendaient à l'entrée de la propriété. Et ne pouvaient pas passer. En fait, parce que c'était une autre densité. Parce qu'en fait, dans le temps, on disait une dimension, mais en fait, c'est plus juste une densité. Parce que la densité, c'est lié à notre conscience. Alors que la dimension, on a plein de dimensions alternatives dans une même densité. Tu vois? Ok. C'est plusieurs bulles dans une même bulle. Oui. Et donc, quand elle arrivait à devant les chiens, il ne pouvait pas passer. Parce que sa propre vibration n'était pas adaptée à cette vibration qu'elle voyait devant elle. Mais cette vibration qu'elle voyait devant elle, cette ferme, c'est vraiment une ferme qui existait réellement, mais dans le passé, dans l'histoire du village. Donc, ça veut dire que dans le temps, il y avait une ferme qui existait.
Mais en fait, on peut faire la même chose. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Mm-hmm. On peut arriver à créer une réalité. En fait, c'est la conscience qui crée la réalité. Parce qu'en fait, tout simplement, cette femme, quand elle est arrivée devant la propriété, elle est débranchée ailleurs. Donc, elle ne pouvait pas rentrer dans la ferme qu'elle devait visiter, dans la maison qu'elle devait visiter parce qu'elle était ailleurs. Mm-hmm. Et donc, le problème, c'est que ça m'arrive souvent. Quand j'écris mes dialogues, je suis dans ma bulle. Du coup, sans me dire, hey, on va manger. Je descends, je suis là dans la cuisine, je nage, je ne sais même pas où je suis. Ah oui, parce que je débranche ailleurs. Sur les couverts. Hein. C'est quoi mon adresse? C'est quoi mon numéro de téléphone? C'est ça. Donc, ça veut dire que dans le futur, ce qu'on doit créer, c'est une réalité qui n'existe pas encore, mais qu'on a la capacité intérieure de créer par l'intérieur. On ne crée pas par les sœurs comme les Anunnaki avec la technologie et compagnie. C'est nous-mêmes qui la créons par l'intérieur. Et plus on est de gens qui créons de cette façon-là, plus on est de gens qui vont arriver à créer leur réalité de cette façon-là. Parce que la réalité, elle est commune à ceux qui la créent. Eh oui. La réalité, celle qu'on voit aujourd'hui, elle est commune à la troisième densité. Mm-hmm. Mais là, celle qu'on doit créer, c'est une réalité commune de quatrième densité de conscience. Mm-hmm. C'est-à-dire que la quatrième densité de conscience, elle va se reporter dans une troisième densité SDA. Mm-hmm. En fait, ça, personne n'a jamais fait. Ni Damanur, ni les autres, là. Ils sont toujours restés dans une sphère de troisième densité mm-hmm. SDS. Même si c'est bien, les intentions sont bonnes. Les intentions sont bonnes. Améliorées. Oui, mais ils sont toujours en troisième densité SDS. Ça veut dire qu'il y a toujours l'argent, et l'argent, c'est le problème. Il y a les deux gros problèmes dans l'humanité. Pour l'humanité, c'est l'argent, mais surtout la propriété. Quand on est propriétaire de quelque chose... En fait, propriétaire, ça veut dire s'approprier l'énergie de l'autre. S'approprier la femme, s'approprier l'enfant de l'autre ou la femme de l'autre. En fait, tous les prédateurs, ils s'approprient de l'énergie de l'autre, l'énergie créatrice. Tu vois ? Quand tu es danseuse, en fait, tu te fais, coacher par un coach. En fait, c'est lui qui ramasse l'argent à travers ton énergie. Tu vois, c'est toi qui danses, mais c'est lui qui ramasse. Mm-hmm. Il se fait du beurre sur ton dos. Voilà. Il se fait du gras sur toi. Hein? Pour moi, je suis quelqu'un qui adore la propriété. Parce que moi, la location, c'est très bien. Et lui, voilà, si demain, on achète quelque part, c'est normal dans son fonctionnement. Oui, et oui, parce que dans la 3D, c'est important. C'est la sécurité. Oui, ouais, parce que dans son cheminement, c'est peut-être moins cher d'acheter direct que de payer par mois. C'est calcul. Oui. Sauf que je dis, mais... Dans cette terre hein, qui nous appartient, ni la terre, ni rien, c'est difficile. Pareil, ils brassent de l'argent, alors que c'est lâcher tout ça, parce que c'est, si on est ensemble, c'est pas pour rien, hein, c'est mon masculin, c'est pas pour rien. Donc, je sais, ça me fait. Mais il ne s'agit pas de le lâcher, il s'agit de le lâcher doucement. C'est-à-dire, on ne peut pas plonger dans un monde SDA comme ça, ça ne marche pas. Maintenant, se mettait ensemble, on crée un éco-village ou un truc dans le genre, ça marchera toujours avec de l'argent. Parce que ça ne marchera autrement pour l'instant. Et du coup, avec une propriété. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Mais c'est en interne qu'on doit changer les choses. C'est-à-dire que juste une personne par rapport à l'autre. C'est-à-dire que si j'imagine un éco-village, ce n'est plus un rapport d'argent entre les gens, point. C'est un rapport énergétique entre les gens, c'est-à-dire on partage nos compétences. Il n'y a plus d'argent, à la limite des histoires de jeu, mais c'est encore par rapport à l'extérieur. D'accord. Histoire de jeu dans le sens... Oui, je comprends. Ouais. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un noyau de famille. Dans une famille 3D, normalement, tu ne donnes pas de l'argent à ton père quand il donne à manger. D'accord, ou à ta mère. D'accord, je comprends mieux. Comment tu me dis comme normalement. Ça. Normalement. je comprends mieux. C'est comme si il y avait une maison sur plusieurs étages, plusieurs familles viennent habiter ici, il y a un loyer commun ou des trucs comme ça. Pas de loyer. Il n'y a pas de loyer. Non. Ah non. Non, le loyer, c'est... Mais non. Pour habiter dans ce lieu-là, il n'y a pas de loyer, il n'y a pas de terrain, comment ça se passe? Si. Après, il y a des trucs concrets, mais là, Genaïl, il parle de... C'est du principe, de l'idée. D'accord. Oui, mais après, je suis d'accord avec toi quand tu dis mon père n'a pas à me donner d'argent, pas plus que j'en ai à donner. Oui. Ou ça, c'est vrai. C'est logique. C'est vrai. Si j'habite avec lui ou avec d'autres familles, personne n'a à me donner d'argent. Donc, c'est le principe de la famille. C'est-à-dire qu'entre les gens qui habitent, il n'y a plus d'échange d'argent du tout. D'accord. Ça, c'est ce Par contre, envers l'extérieur,
on sera obligé d'avoir un échange d'argent. Ça sera plus d'argent personnel. Nous sommes dans la troisième. Oui. Donc c'est important. Tant que c'est dans la transition, c'est comme ça. Pendant la transition, un passage obligé. Parce que pour l'instant, il faut qu'on le fasse d'abord à l'intérieur pour que ça se propage à l'extérieur. Parce qu'arrivera un moment où il n'y aura même plus besoin d'argent pour l'extérieur. Et oui, mais là, on est encore loin. Mais le jour où on n'aura plus d'argent par l'extérieur, l'onde aura changé le monde. Je comprends mieux. C'est dans la famille, dans cette maison, personne ne donne de l'argent à personne, et c'est bien normal. Non. Moi, je ne voudrais pas prendre de l'argent à ma sœur ou quoi, au caisse, ou à toi, ou à lui. Par contre. Mais payer le truc pour s'acheter des. Enfin, d'acheter la nourriture ou quoi, au caisse, là, il y a un échange d'argent, mais avec l'extérieur. C'est ça que tu veux dire. En fait, il faut y être pour le vivre. Enfin, oui. Non, oui, non. C'est dur à expliquer. On n'est pas dans le concret, on ne peut pas savoir les étapes qu'on doit passer. En fait, ce que Genaëlle dit, c'est ce vers quoi on va. Oui. Mais pour aller vers ça, peut-être théorique. On passera par effectivement payer, changer de l'argent parce que c'est le moyen d'échange. Après, avec l'extérieur. Avec l'extérieur, j'entends. Échanger par le jeu et ensuite faire en sorte qu'on puisse se détacher complètement de ça. Mm-hmm. Okay. Tu vois, parce que l'art des gens, c'est ce qu'on exprime, notre art. Tu vois, si moi je devais te payer par rapport à mon art, je serais hyper riche. Ouais. Tu vois, j'aurais beaucoup d'argent parce que tous les gens qui nous disent, si nous vivions de l'argent, je vivrais largement bien. Mm-hmm. Mais personne ne m'en donne parce que je ne demande pas. Et en fait, je n'ai pas besoin de demander. Je l'offre. Offrir, c'est autre chose. Je comprends. Tant qu'on offre notre énergie mutuellement, ouais. on n'a pas besoin de se donner de l'argent. Parce que l'énergie, elle circule. Oui, d'accord. Et c'est-à-dire que dans la psyché de troisième densité, SDS, on revient en mode linéaire, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose pour quelqu'un, il faut que ce quelqu'un, cet individu, nous renvoie l'ascenseur. Alors que là, ce n'est pas du tout les principes du réseau Léo. On donne. Et c'est l'univers. Et l'univers nous redonne. Mais c'est pas je veux. Non, non. C'est. Ah ouais, ça arrive comme ça, quoi. Regarde les animaux, les oiseaux. Oui. Moi, je prends toujours l'exemple des animaux. Ils sont là, ils bossent pour rien, tout leur vient. Ouais. Ils l'ont parce que, bon, c'est la nature est ça. Oui. Voilà. Et ça, c'est pardon, le cheminement pour visiter tous nos programmes de 3D à faire sauter. C'est-à-dire que celui qui a besoin de traverser ses mémoires de précarité, il traversera ses mémoires de précarité. Il ira avec nous en train. Voilà. Comme ça s'est passé pour David et moi à l'époque, où quand on... Enfin, moi, j'avais déjà lâché, mais David a lâché son boulot. Du coup, c'était le vide, quoi. Donc, on a eu à traverser ses peurs de vide... très loin pour acter, pour apprendre à faire confiance que effectivement il y a l'énergie qui revient d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que l'apprendre déjà soi avec soi, c'est énorme, et après à plusieurs ensemble, c'est encore un autre challenge, de parce que ça concocte tous les programmes de chacun, quoi. Donc effectivement c'est un cheminement, donc chacun qui a besoin de dépasser ses programmes, il va les traverser grâce à l'énergie qui circule, quoi. Moi, si je regarde mon cas, des fois je me dis, est-ce que c'est vraiment possible? J'ai jamais travaillé pour vivre. Oui. Tout. On n'était pas riches, rien du tout. Bon, il y en a d'autres qui faisaient ce qu'il fallait, mais moi, personnellement, j'ai jamais travaillé pour vivre. Aujourd'hui, je suis bien, tout m'arrive sur quoi? Et je me dis, mais comment ça se fait? Et les gens, oh, elle a beaucoup d'argent, c'est pas vrai. J'ai ce qu'il me faut pour vivre, c'est même pas moi qui bosse pour. Oui. Ça arrive, c'est là. Et puis je suis très contente, très. J'ai beaucoup de. Comment dire je cherche une gratitude pour ça. La gratitude. La gratitude. La quoi? La gratitude. C'est important. Bon. Et puis je suis contente, puis je me donne du mal pour rien. Oui. Je suis vrai dans ton cas. Hein? Moi, je ne travaille pas, mais mon alter a beaucoup. Hein? Moi, Fred, je ne travaille pas, mais lui, de par son boulot, il l'a. Il a ce qu'il faut et en surplus. On est bien. On n'est pas dans la dèche. Même si, comme je l'explique, il a ses comptes qu'il ne partage pas. Donc, ce n'est pas commun. Tu vois, c'est j'arrive pas à aller sous le truc là pour comprendre ce qu'il y a à comprendre. Mais c'est une question d'énergie. Absolument. C'est une question d'énergie, tout ça.
Bah, Fred, il a ses programmes à voir. Et... aussi. Et voilà, sûr, et après, toi, tu peux pas le forcer à. Non, non mais j'essaie de prendre les miens. Oui, c'est ça. Mmh. Ils sont bien déjà costauds. Ouais. Je peux pas aider. Voilà, c'est et voir ce que ça te renvoie, toi. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Le bon partage, moi, j'entends. Voilà, tout de suite. Moi, j'ai pas d'idée pour y être du tout. J'ai jamais voulu rien posséder. Et comment on fait maintenant pour posséder quand même ? Sans être SDS ? Ben, on est en détaché. Alors, c'est là où on a sorti en 2014 la nouvelle loi qui permet en France d'acheter une propriété, ce qu'on a discuté, ce qu'on appelle les associations d'habitants. Oui. Donc les habitants investissent dans l'association, mais non pas dans la propriété. Donc ils ne sont pas propriétaires, mais ils sont membres de l'association. C'est une astuce qu'on a trouvée et dont on a déposé une loi qui a été acceptée en 2014. Est-ce que vous connaissez Michael Tellinger ? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de sa façon, comment ça s'appelle encore, la mise en commun, là, chacun fait un peu... Non, je confonds avec Derrida. Non, Michael Tellinger, c'est un Sud-Africain qui essaie de faire un parti politique comme ça. C'est un parti politique de... Comment je peux dire ? J'ai pas le mot. Mais chacun fait un peu. Et avec le résultat de tout le monde a tout, tout le monde joue de tout. Oui. Mais chaque personne fait un petit peu. Et on n'est pas propriétaire, on n'est rien, mais on travaille en commun. Ça rejoint le communisme. C'est pas le communisme. Oui. Collaboration non plus. En tout cas, c'est parti commence. Il faudrait aller voir, mais il parle anglais, bien sûr, mais je pense qu'il y a un parti au Québec qui a commencé comme ça. Michael Tellinger. Oui, c'est vraiment... Tu avais commencé à nous expliquer. Oui, là, oui, sur cette loi qui permet avec tranquillité aujourd'hui d'acheter à 5-6 une propriété en investissant dans l'association. Donc c'est l'association qui achète. Et l'association est reconnue dans cette loi en tant que SCI. Oui. C'est-à-dire les banques vous prêtent de l'argent. Parce que ce n'est pas nominatif. Alors société civile immobilière. Bon, c'est une astuce européenne qui permet, si tu veux, d'emprunter, mais en groupe. Okay. Voilà. Et les banques sont tout à fait OK. Mais on n'a pas été voir qu'est-ce qu'il y a derrière, parce que moi, je me méfie de toutes ces choses-là. Oui. Il y a toujours quelque chose en arrière qu'on n'a pas vu. Et après, on se fait prendre au piège. Si tu veux... On a fait en sorte que cette loi soit très ouverte. Ce qui est un gros avantage, mais qui peut présenter quelques inconvénients. Il faut les accepter. C'est l'époque. C'est marrant parce que moi, fin 2018, j'ai de nouveau droit de faire des prêts. Ça fait 10 ans que je suis interdit bancaire. Bon, maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus à qui. Aujourd'hui, moi, personnellement, tout seul, j'ai 300 euros par mois. Comment veux-tu que je fasse ? On pourrait se dire, comment est-ce que je peux acheter une propriété ? Moi, je ne peux pas. Par contre, je peux contribuer à l'association d'une autre manière. C'est ça. Chacun avec ses compétences. Avec ses compétences. Sa capacité. Et toi, tu as déjà travaillé sur la mise en place d'une association qui existe déjà. Donc, il y a déjà un travail en amont qui est fait qui n'était pas pour ça, mais qui peut être pour ça. Mais qui était pour ça, mais depuis longtemps. Oui, oui. On m'a toujours pris mon idée. Et en fait, maintenant, si on est prêt... L'association existe, elle s'appelle Nouvelle Terre, comme par hasard. Qui a été créée il y a 10 ans en arrière. En fait, tout ça est déjà sur le papier. Oui, c'est normal, puisqu'on vient le plus bel exemple, que je regarde pour moi, j'ai jamais pris d'assurance. Jamais pris d'assurance, parce que je me dis, c'est payé pour avoir peur. Donc, moi, l'assurance, j'ai pas besoin. Mon assurance, c'est moi, c'est ma sécurité personnelle, c'est mon âme, c'est tout ce que tu veux. J'avais cette grosse baraque-là, j'ai pas pris d'assurance. Et puis, quand j'ai décidé de la vendre, ben là, je voulais commencer à construire ma nouvelle petite maison, me rapetisser. Je détestais d'aller aux banques, je n'ai pas de carte de crédit, j'ai rien, je fais tout en argent comptant. Et puis, je vais quand même, je dis, bon, ben là, c'est une formalité, j'en ai besoin, c'est pour faire un pas, pour aller plus loin, j'y vais. Avec un pied devant, un pied derrière, j'ai été. Et là, ils m'ont dit, tu n'as pas d'assurance, on ne prête pas. J'ai dit, ok, je fais une formalité, je prends une assurance, juste pour avoir ce qu'il me faut. Ouais. C'était un peu pour commencer autre chose. Trois mois après, ma maison brûle. Tout le monde me dit, mais l'assurance t'a payé. Ils n'ont pas dit que t'as fait exprès. Je dis, non, jamais, parce que
j'ai pas discuté de rien, j'ai dit, j'ai même pas, je savais même pas pourquoi j'étais assumée. Et puis, bon, ils ont tout fait rapidement. C'est l'ange qui t'a guidé. Ouais. Rapidement, ils ont tout fait. Je n'ai pas contesté rien. Ils m'ont donné un montant. J'ai dit, bon, ben avec ça, je vais me débrouiller. Je me suis débrouillée voilà. avec. Ouais. Tout maman. Simplement. Donc, je n'ai pas fouillé, cherché. Tout le monde m'a dit, non, non, non. Il faut, il faut. J'ai dit, non, moi, je ne suis pas là-dedans. Je ne calcule pas. Point barre. Et puis, les choses arrivent. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais si, je suis... c'est un exemple. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, c'est ce que je me suis dit. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis ça va fonctionner comme ça. Et puis tous mes frères qui sont dans le calcul de l'investissement, je dis, moi, jamais j'investirai d'argent. Jamais, parce que c'est de l'usure. C'est pas faire de l'argent sur la tête des autres. C'est pour ça qu'en fait, c'est important de voir tout le programme. Tu vois, parce que... La première fois qu'on était dans cette énergie, c'est on a plongé dans le truc de Philippe, au Bézu. Hein. Là, on s'est fait ramasser parce qu'en fait, on n'a pas appris à être avant de faire, ou l'en faire. Lui, il nous a embauché pour faire son truc. Comprends sous la couverture de Mongol Lumière. Là, et on a plongé dedans parce que moi, je croyais qu'il était comme moi. Et oui, voilà, on croit toujours que les autres, sans comme nous. On revient toujours aux mêmes choses. On voit un corps qui nous ressemble, donc pour nous, ça va être pareil. Et voilà, donc à l'époque, la ruine est magnifique maintenant, c'est une maison. Oui, il a fini de la retaper. Ah oui, mais on a commencé. On a commencé à détruire la ruine et à commencer à reconstruire. Et le mec, il arrive avec son argent, il se concentre à m'avoir dessus. Et moi, je tiens la rue. Ça fait ton expérience et tu le sais maintenant. Maintenant, je sais à qui j'ai appris. Mais nous en reparlerons. Ouais, ouais. Oui. Parce que c'est un sujet passionnant, ouais. Mais chaud. Deuxième paragraphe. Chaud. On y va. Allez, chaud. Alors, en attendant, sa société est définitivement malade des pires maux. Elle est hantée par des croyances des plus malsaines. On y débat sans répit des tromperies officielles ou cachées, des règles écrites pour les intérêts d'une minorité, de démocratie ébranlée et démantelée, d'électeurs dégoûtés fuyant les urnes et laissant faire, de peuples désabusés sans aucune conscience de la réalité pris au piège des bons sentiments et inlassablement manipulés. Le progrès est devenu un cauchemar à fuir. La liberté finissant là où commence l'informatique, on impose à cette société une technologie qui est périmée avant même d'avoir servi. Les gens se battent pour des implants à puces à insérer partout, même dans le corps, ignorant qu'ils seront transformés, grâce à elles, en troupeaux de bestiaux destinés à approvisionner les prédateurs de quatrième densité. La civilisation humaine est bien mal en point et tourne en rond, impuissante au point qu'elle cherche sans fin des solutions qui ne viennent jamais. En recherchant désespérément un futur illusoire dans ce dit progrès, l'existence de l'individu endormi dans ses convictions est déterminée d'avance. L'économie est devenue la science suprême qui dirige le monde. Minée par la corruption et son allégeance au dieu argent, la civilisation moderne se dirige inéluctablement vers son effondrement, le chaos total. Et là, évidemment, il s'agit de bien comprendre la cause de ce désordre. Une loi universelle nous dit que toute chose a sa durée, que tout évolue puis dégénère. Tel le mouvement du pendule, ce balancement se manifeste dans tout. La mesure de son oscillation à droite est semblable à la mesure de son oscillation à gauche. Tel l'inspire et l'expire, son rythme reste constant. Ce principe signifie qu'il y a un mouvement de balancier en toute chose. Il peut être vu dans le va-et-vient des vagues de l'océan, dans la montée et la chute des plus grands empires, dans le cycle des affaires, dans la fluctuation entre nos pensées positives et négatives, dans nos réussites personnelles et nos échecs. Conformément à cette loi, quand quelque chose arrive à un point d'aboutissement, alors le mouvement en arrière commence presque imperceptiblement jusqu'à ce que tout le mouvement vers l'avant soit totalement inversé. Puis le mouvement vers l'avant recommence à nouveau et le processus est répété. Alors, petite coupure, ça voudrait dire en fait que la planète Terre va vers un nettoyage,
confirmé par la Cassiopéenne il n'y a pas longtemps. Mais qu'en fait, après, ça va recommencer. Oui, oui, oui. Tout un cycle. C'est pour ça qu'on appelle ça l'âge d'or. L'âge d'or. Mais notre travail à nous, c'est pas de retourner dans l'âge d'or. C'est de changer l'identité, de sortir du cycle. C'est de se sauver. Donc, du coup, ça veut dire que ça agit sur la croyance qu'on doit mourir. Ce n'est pas vrai. Qu'on doit vieillir. C'est pas vrai. Tout ça, c'est vrai dans la troisième densité. SDS. Mais ce n'est pas vrai en troisième densité SDA. Parce que la troisième densité est connectée à la sixième densité SDA. Donc ce n'est pas pareil. C'est-à-dire que les Namlou, dans le temps, ils savaient changer de densité, alors plutôt changer de dimension. C'est ça. Dans le temps, eux, ils savaient faire parce qu'ils n'avaient pas de technologie, c'est juste intérieur. Ils savaient changer de dimension pour visiter d'autres dimensions de réalité. Ils faisaient juste par l'intérieur. Donc maintenant, on ne sait pas encore comment ça marche. Mais on a des indications. Pour l'instant, on peut pas le faire parce que on a encore des programmes qui sont limités. Mais ces programmes vont se défaire au fur et à mesure qu'on choisit. C'est ça. Le parallèle entre le fait que là, nous, en troisième densité SDS, on est déconnecté de notre ange en sixième densité, et une troisième densité SDA qui est connectée à son ange. Le parallèle, il est bien expliqué par Ours Blanc avec les Kachinas, où en fait, ces êtres de Lémurie, de Mu, ils sont, ce qu'il explique Ours Blanc, c'est qu'en fait, tant qu'ils sont dans cette recherche d'information, dans cette ouverture de école-lieu, de ces écoles du mystère, ben, qu'ils sont dans cette quête comme on l'est maintenant, ben, en fait, pas comme on l'est maintenant, parce qu'eux, ils étaient déjà connectés à leur Kachinas, en fait. Kachinas, c'est le soir supérieur. Hein. C'est ça, c'est l'ange, quoi. Et du coup, ils ont chuté en SDS, puisqu'ils ont commencé à se faire la guerre, des jeux de pouvoir et tout ça. Et là, le Kachinas, lui, c'était trop dense, donc il a coupé le lien. Donc, déjà, ils n'étaient plus en contact avec leur Kachinas, ou alors juste par intuition, comme nous on l'est vraiment, et ils ont dû réapprendre à recheminer pour rétablir le lien avec leur ange, en fait. Exactement. Et Ours Blanc, il explique super bien avec les Kachinas, une personne peut carrément retourner dans le monde des Kachinas par cette école où elle gravit des échelons de conscience, en fait. Ce qu'on fait. Ouais. Et c'est pour ça que cette troisième densité SDA vers laquelle on va, eh ben c'est une troisième densité SDA qui est complètement reliée à l'ange. Et enfin voilà. Ça m'a fait quelque chose d'intégrer ça, en fait. Ah oui, c'est... Même si c'est pas fini du tout, Qu'est-ce qu'elle fait? Parce que hier, quand on était, on discutait, et je disais, l'ange, cette nuit, la nuit passée, il m'a dit, la conscience est extérieure au corps. Tu vois, je me suis réveillée avec ça. Enfin, j'ai écrit ça pendant la nuit. Et donc, je lui disais, je savais pas, je sais pas, et là, ça me vient parce que ça me fait penser à au Kachina, enfin, cette conscience qui est le soi supérieur, qui est l'ange de nouveau, et qui effectivement est extérieure à mon corps, mais qu'on peut rejoindre d'une manière. Tout à fait, le faire descendre. Voilà, c'est ça. Il est pourtant clair que le mode de vie de la société humaine devrait avoir un sens, au point où les gouvernements font beaucoup d'efforts pour l'imposer à tous. Mais parce qu'il est imposé, il génère beaucoup de résistance, puisqu'il fait alors obstruction à la liberté. L'humanité, depuis longtemps, a abdiqué ses libertés fondamentales, et au lieu de s'éveiller, elle génère chaque jour de nouveaux problèmes, accentuant désormais le mouvement de balancier vers l'entropie. Les terriens auraient commis l'erreur de remettre le pouvoir à quelques élites en abandonnant tout contrôle de leur propre vie. Dans une société où tout a un prix, il ne faut pas s'étonner que même les élus en aient un. Et croyant savoir de quoi est fait le futur, ces derniers se paient grassement dans les trésors des États. La société humaine serait donc gouvernée par des individus incompétents, irraisonnables et obstinément aveugles à la réalité. À leur niveau, l'accumulation des richesses matérielles n'a plus de sens. Elle en devient même pathologiquement indécente.
Les élites de cette terre sont elles-mêmes ignorantes du mécanisme instinctif qui, peu à peu, les pousse à posséder encore et toujours plus. Plus de pouvoir, plus de popularité. Juste, comment s'appelle Marie-Thérèse. Regarde ce qu'elle a, elle sait pas quoi en faire. Exactement. Tu t'attends. Oui, mais c'est ça. Elle accumule, elle ne veut pas accumuler, mais il y a quelque chose qui la pousse. Elle est comme possédée. Elle est possédée par quelque chose. Elle est possédée. Oui, possédée. Puis par son passé. Oui, par son passé, par plein d'entités aussi. Elle voit, mais elle n'est pas capable d'aller dedans. En tout cas, s'il te plaît. Donc, plus de pouvoir, plus de popularité, plus d'argent, plus de propriété, plus de biens matériels. Ce mécanisme d'escalade des possessions les écarte inéluctablement de toutes les autres préoccupations de l'existence. Nous pourrions même affirmer que les autres préoccupations plus humaines, telles que l'intérêt pour ses semblables, sont alors considérées comme des faiblesses à abandonner sans remords. En réalité, ces personnes qui accumulent sans limite seraient à aider plutôt qu'à blâmer. Leur faible lueur d'humanité a cédé devant la nécessité de posséder toujours plus et a considérablement appauvri l'éclat de leur âme. Il semblerait même qu'elles ont perdu tout sens de la réalité et sont devenues aveugles au point même d'être capables de faire détruire le biotope qui les fait vivre. Alors, comment est-ce possible ? J'arrive pas à concevoir que des êtres... là dans notre système actuel, où on a toujours plus d'armes, toujours plus de têtes nucléaires et autres, le manque de réflexion de ces gens-là, en disant, mais on va se détruire. Ce sont des portails organiques, ils n'ont pas la conscience. Tu es une preuve vivante de cette partie qui nous habite tous, qui n'accepte pas qu'il y a des êtres qui n'ont pas de conscience et qui ne prennent pas décision par eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas encore à leur propre service. Il faut revenir au but initial des entités prédatrices qui pilotent ces êtres qui n'ont pas de conscience. Leur but, c'est comme nous avec des élevages de poules, c'est de bouffer. Donc, ils vont créer des guerres à droite, à gauche, des viols, des machins et tout ça, pour pouvoir bouffer. Donc, ils vont utiliser des portails organiques pour générer un chaos et pour pouvoir manger. Donc, c'est objectivement, c'est simple, en fait. Oui, mais je le comprends. Enfin, je comprends ce que tu dis. Tu l'entends, mais tu n'acceptes pas. C'est ça qui est difficile. Parce que, on est là pour essayer d'ouvrir notre conscience sur le plan individuel, pour que l'on soit X multiplié par X, par Y, pardon, qui devenons conscients que c'est non pas en voulant changer le monde, mais en voulant nous changer nous. Mais eux, ils ne peuvent pas savoir ça. Ça ne marche pas chez eux. Non, parce qu'ils n'ont pas cette conscience. D'accord, tout à fait d'accord. Ouais. En fait, eux, ce qui est ça, c'est juste l'argent et le pouvoir. C'est point. Ça, le pouvoir. Ouais. En fait, ils ont tellement d'argent de pouvoir qu'ils sont en train de s'auto-détruire par l'argent. Oui, ça paraît complètement aberrant, mais quand on se place d'un point au-dessus en se disant que c'est des entités qui pilotent ça, voilà, c'est ça. On comprend un peu plus le sens du jeu sur Terre. Quoi. C'est un énorme garde-manger, en fait. Pour les démons. Le démon, c'est les mondes à l'envers. C'est pour ça qu'ils détruisent la Terre. D'accord. Et de toute façon, maintenant, on va la laisser détruire, la Terre, parce que c'est leur Terre. C'est la Terre du passé. Nous, on construit notre nouvelle Terre. Tu vois ? Ils peuvent la détruire, la leur. On s'en fout. Ils s'en foutent. Nous, on s'en fout. Oui. Parce que nous, on se détache. Oui. Et qu'on peut pas, on peut rien faire. On peut rien faire. Non, on peut rien faire. C'est eux qui doivent acquérir une certaine maturité d'âme pour pouvoir. Et c'est pour ça que c'est cyclique, cyclique. Parce que c'est un enseignement, c'est cyclique. Cette forme cyclique, c'est un enseignement. Et à chaque cycle, on apprend une leçon. Voilà, et ça rejoint à ce que tu disais, à savoir qu'il faut accepter. Ça fait partie du jeu. Mais en sachant que je ne joue pas dans ce jeu. Voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Parce que si on s'attache à cet ancien jeu, comme je parlais de mon lien à ma famille, si je ne coupe pas tous ces liens d'attachement,
Je sais que je vais être récupérée par le jeu. Je vais m'identifier. Je vais me faire hameçonner, je vais être identifiée dans ce jeu, en fait, de la matrice. Alors que ce qui permet d'en sortir, c'est justement la conscience de la prédation hyperdimensionnelle, qui est de voir qu'il y a d'autres humains qui se font piloter par des entités. C'est un fait. De couper cet attachement parce que c'est une prise d'énergie. Et du coup, eh ben nous, on peut cheminer vers ce nouveau monde parce qu'on a coupé ces attachements que, comme tu dis, pourquoi ils sortent pas de leur destruction, oui, quoi. Oui, ben alors, ça me surprend parce que je vis dans le monde, moi, comme vous. Peut-être un petit peu plus. Un peu plus. Et je suis effaré de voir l'inconscience des gens à toujours avoir plus. Toujours. Une plus grande voiture, une plus grande propriété, des plus d'appareils électroménagers, des portables, on n'en parle pas, et toujours plus, toujours plus. Et quand je leur dis, mais ça va finir, tu as une vision catastrophique. Je dis, mais regardez au niveau écologique, au niveau de la santé, comment ça se passe, mais ça ne peut pas continuer. Les Européens ne voient rien. Ben, faut pas perdre ton énergie à essayer de convaincre les gens, parce que ces gens, ils vont dans le chaos. Complètement. Voilà, ils ont besoin de vivre ces expériences. C'est pour ça que je veux faire un petit tour du côté des Pyrénées. Il faut lâcher. Et tu vois, Gégé, ces personnes-là, elles ont besoin de vivre ces étapes-là. C'est important pour l'élévation de leur âme. Oui, mais c'est dommage. Non, pas du tout. Surtout pas, malheureux. Parce que je suis comme une aide, à savoir que j'ai coupé beaucoup avec ma famille, il me reste encore un petit peu, et pas plus tard que la semaine dernière, j'étais donc à Saint-Étienne, pour couper encore avec toute la famille de Bénédicte, toi, je ne crois pas du nom. Oh, tu t'inquiètes pas, tu l'as déjà donné plein de fois. Oui. En plus, Valentin insiste. Et qui sont dans le matériel, mais à fond, quoi. Ouais. Hein, c'est Et moi, je suis parti au bout de 2 heures. On m'a dit, mais pourquoi tu pars? Tu dis, parce que j'ai plus rien à faire. Oui. J'ai fait le travail que j'avais à faire, et puis voilà, quoi. Mais c'est pas évident, quoi. Ah non, ça, c'est sûr. Tu vois, regarde. On regarde sur Internet les zadistes qui se battent contre les gendarmes. Partout, tu sais, à Notre-Dame-des-Landes. Tu vois ça? Les zadistes qui voudraient sauver la Terre, qui se battent contre les gendarmes. ZAD, zone à défendre. Tu connais pas cette histoire? Notre-Dame-des-Landes, là, ils défendent leur terre. Oui, c'est le cahier 12 ou 13. Voilà. Ils se battent contre les gendarmes. Donc les gendarmes, ce sont des portails organiques en puissance, des armures. Rien dans la tête, tout dans les muscles. Enfin, même pas dans les muscles, dans l'armure. Parce que c'est même pas des muscles. En fait, les zadistes sont aussi cons que les gendarmes. Oui, absolument. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ça ne sert à rien de vouloir sauver cette ancienne terre, elle est en train de se détruire. Elle est polluée, il y a du pétrole partout, il y a du plastique partout. Je ne veux plus vivre dans ce monde-là. Mais non. Comment? Dans ce monde de plastifié. Ouais. C'est ça. Plastique. Plastique, hyper technologique. Voilà. Effectivement, on a besoin de technologie, mais pas pour nous détruire. Parce que la technologie qui détruit ce monde actuellement, moi je ne veux pas. Par contre, une technologie. Donc une moindre technologie qui nous permet de changer, de faire la transition, ça ok, c'est pas pareil. On est bien d'accord. Non, une technologie a sa juste place en fait. Ouais, bien sûr. Qui est utilisée à bon escient. Voilà, c'est ça. Parce que c'est un sacré piège de lutter pour la préservation de la Terre en fait. Ça marche pas. Parce que si j'avais pas fait mon switch de conscience, grâce au Bézu et grâce à ce qui s'est passé à ce moment-là, et ben moi je serais... là, en train de me battre contre les CRS à la ZAD, quoi. Mais c'est clair. Et j'étais plusieurs fois dans des trucs avec des lacrymos, à me battre contre des injustices et surtout la Terre. Avec les études de gestion et protection de la nature, croire qu'on doit gérer et protéger la nature, mais qui on est pour croire ça, quoi. Ben, on est piloté par un prédateur qui veut soutirer son énergie émotionnelle. Et la ZAD, c'est exactement ça. Ces personnes qui squattent sur ces lieux, enfin, qui squattent, qui s'établissent, on va dire, en disant bah, les propriétés sont à personne, nous on s'établit là, sur cet endroit où l'aéroport ne va pas se construire, et nous, on se met en tant que paysans, on commence à faire notre pain, on crée notre nouveau monde et tout,
Mais sauf que eux, ils n'ont pas vu en amont le jeu de la prédation. Et quand il y a les CRS qui arrivent, ah mon Dieu, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on se bat. Mmh, et du coup, ils rentrent dans le jeu de la prédation parce qu'ils ne l'ont pas vu. Mmh. Et ça, je le vois tellement bien parce que c'est moi, il n'y a pas longtemps. C'est énorme, en fait, les gens, comment ils passent leur vie à se battre pour la bonne cause. Et en fait, c'est la bonne cause du prédateur, même si c'est pour protéger la nature. Quoi. Et si c'est pas ça, c'est la souffrance animale ou c'est autre chose. Oui, oui, oui. C'est juste la cause d'une croyance. C'est ça. Ouais. Allez, on continue. En réalité, ces personnes qui accumulent... oui, ça va, je croyais que j'avais déjà lu ça. En réalité, ces personnes qui accumulent sans limite... Ah si, je l'ai déjà lu. Donc, je vais plus bas. Les élites détiennent matériellement beaucoup plus qu'elles ne peuvent utiliser. Évidemment, nous pourrions le comprendre puisque chacun rêve d'être plus riche. Et c'est ce rêve qui justifie tout. Les élites sont jalousées parce qu'elles possèdent la part de richesse qui manque au reste du monde. L'illusion serait de croire que ces individus, grâce à leur argent ou leur notoriété, pourraient contribuer à réparer notre société. Mais leur besoin de pouvoir et de reconnaissance est pathologique et leur faim est dévorante. Rien ne leur échappe et ne leur échappera. Ils sont ces entités psychopathes sans âme, gouvernées par des esprits au service du soi égotique, et ils engloutiront tout sur leur passage. Ils font détruire la terre nourricière, produisent toutes sortes de conflits afin d'engendrer des générations de malades empoisonnés par les conséquences inévitables de la recherche d'un but insensé à leur existence. Ce sol ruiné deviendra le terreau d'un suicide collectif dans lequel, à perpétuelle demeure, ils seront enchaînés. Lorsque nous avons questionné l'ange de la réponse, de la raison profonde à tous ces changements qui impactent l'existence de l'homme en cette fin des temps, nous avons obtenu quantité de réponses peu compliquées à assimiler. Nous invitons donc le lecteur à les méditer durant sa lecture. Personne, absolument personne, même avec la meilleure volonté du monde, ne pourra aller à l'encontre de l'effondrement de votre civilisation. Car la conscience globale de l'humanité n'est pas encore capable de comprendre les règles qui régissent les cycles universels des civilisations. Cet effondrement, un collapsus total de la structure générale et des règles de la société mondiale, est impossible à éviter et surviendra comme prévu. Le nettoyage de la conscience et la mise à plat des relations humaines seront finalisés par le feu nucléaire, qui, vous le découvrirez bientôt, est déjà bien engagé. Nous développerons ce sujet prochainement lorsque vous en aurez fait l'expérience. Stop. Alors, qu'entend-on par sera finalisé par le feu nucléaire? Est-ce que vous avez eu des informations de... Oui. J'ai pas tout compris. Tu as dit quand on compare quoi? Quand on parle. Quand on parle de finalité par le feu nucléaire. Ah, ok. C'est le dialogue que je vous mets. Il y a un dialogue qui parle. C'est celui où tu es malade après. Donc je raconte vite fait ce que c'est. Donc ça, j'ai écrit avant de tomber malade. Je ne sais pas si tu as vu ce que j'étais malade. Oui, quand vous marchiez, que vous ne pouviez plus respirer. Et en fait, à un moment donné, je croyais que j'allais mourir parce qu'en fait, je n'arrivais plus à respirer. En fait, ce n'est pas l'inspiration d'air. C'est le feu qui a dans les poumons. Tout à fait. Ça brûlait fort. Et en fait, j'ai compris que c'était nucléaire. Donc, j'ai nucléaire parce que dans mon rêve, j'ai vu une attaque NBC, donc nucléaire biologique chimique. Sur un autre plan, j'étais victime d'une attaque nucléaire. Et je me suis vu guérir. En fait, il y avait des médecins autour de moi qui ont aidé à m'en sortir. Donc, je m'en suis sorti. Ça veut dire que le problème nucléaire. Il est c'est toi-même qui me l'a dit, en fait. Il s'est déjà passé sur un autre plan. Absolument. Quand tu as dit que tu traversais des fois des régions où tu voyais les villes détruites. En fait, ce sont des images qui viennent d'autres plans. C'est ça. C'est déjà arrivé. Pourquoi on le voit? Parce que c'est toujours en train d'arriver. Parce qu'il y a plein de choses, plein de, comment dire, de paliers dans le phénomène nucléaire. Parce qu'actuellement, la France est irradiée à fond par le problème centrale nucléaire, par Fukushima et toutes ces choses-là. Mais aussi par les guerres, parce qu'ils sont en train de se bombarder avec des ogives nucléaires de côté de la Méditerranée. En fait, tout le vent qu'on se prend, c'est le vent méditerranéen.
En fait, quand j'ai remarqué, quand il y a les vents de la Méditerranée, je suis malade. Enfin, j'étais malade, hein, ça va. Parce que, en fait, j'étais passé ce stade. Donc, le feu nucléaire, c'est déjà là. Il est déjà là. Tout à fait. Comment ? Il est dans l'air. Il est dans l'air, oui, oui. Mais en fait, il n'y a pas que le feu nucléaire, c'est les yeux et tout ça. Donc, aujourd'hui, j'ai toujours mal aux yeux. Oui. En fait, ce sont des programmes qui sont en train de se changer. Et pour l'instant, on passe par là, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Oui, c'est le corps qui souffre, en fait. On souffre de ça. Et on peut se poser la question, pourquoi toi, tu ressens plus les symptômes que d'autres? Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est les symptômes d'une transition de densité. Oui. De transformer ces symptômes de maladie en, comme tu disais, dans le truc de souffrir en silence, en fait, comprendre que c'est ton ange qui t'envoie des codes, que du coup, la peur qu'il y a, ben, elle peut être neutralisé par cette confiance en l'ange, et en fait c'est comme ça qu'on pourra être capable de changer de densité, c'est-à-dire que quand il y a vraiment quelque chose de grave qui se matérialise dans le corps, comme moi le staphylo qui revient me faire des coucous, ben, j'ai des peurs qui montent, et en fait ces peurs, grâce à la confiance que je peux cultiver là par rapport à l'ange, et ben en fait de faire en sorte que qu'elles m'atteignent plus et que ce soit des boosts pour transiter d'une densité à une autre, en fait. Sur le plan nucléaire, ça veut dire que, je l'avais dit, quand il y a une explosion nucléaire, ou en fait une contamination nucléaire, le nucléaire agit sur la composition de l'air. Tout à fait. Donc, l'ange m'a dit les choses, donc je ne sais pas exactement si c'est exactement comme je l'ai dit. Oui. Mais, en fait, à partir du moment qu'il y a un problème nucléaire, s'ouvre une autre densité. En fait, c'est une force dimensionnelle qui s'ouvre dans notre réalité. Avec l'hydrogène. C'est dans le dialogue avec l'hydrogène, je crois. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que... Enfin, pas le problème. L'hydrogène, comme c'est le gaz le plus léger, qui échappe à la gravitation, il contient toutes les informations, tous les codes. Et en fait, ces codes-là sont retransférés sur l'autre plan. Le premier plan où il y a eu l'explosion nucléaire, il disparaît, il est brûlé. Mais l'autre plan continue à vivre grâce à l'hydrogène. Et comme tu dis qu'il échappe à la gravitation, ça veut dire qu'en fait il est lié à toutes les densités et qu'il est le vecteur du message de l'ange jusqu'à nous. Enfin, de la conscience, parce que la conscience crée cette gravitation. Ouais. Donc le fait quand il y a une explosion nucléaire, ça crée un plan, un autre terrain pour la conscience créatrice. Pour devenir... C'est pour ça que je parlais des animaux à Tchernobyl. Tchernobyl, voilà. Il y en a plein partout. Oui, oui. Il n'y a pas d'humain. Il y a plein de végétaux, elles repoussent ses droits. Tout repousse, sauf l'humain. Parce qu'en fait, l'humain, il croit que... Parce qu'il y a du nucléaire, il ne peut plus survivre. Eh oui. Et c'est là que c'est important, c'est-à-dire que l'humain, il est cantonné par ses peurs, donc il s'interdit d'aller dans un nouveau monde. Et en fait, ce que tu expliques par rapport à l'hydrogène, c'est que si on change totalement nos croyances, c'est-à-dire que l'hydrogène dégagé par exemple par une grosse explosion atomique, eh ben, c'est pas ça qui va nous dégommer. Mais qu'au contraire, c'est ça qui va faire la propulsion. Ça ouvre la porte dimensionnelle. Voilà. Et en fait, la conscience passe à travers. Mm. C'est seulement quand il y a une explosion nucléaire qu'on pourrait créer un nouveau monde. C'est déjà en train d'arriver puisqu'on est inondé de particules nucléaires de partout. Mm. En fait, la conscience supérieure terrestre, elle est déjà en train de préparer le terrain. Oui. Donc c'est de là quand on dit que du chaos peut naître l'ordre, voilà. C'est vrai, la création. C'est vrai, ça, là. Hors d'avion. Est-ce que c'est ce qui s'est passé à Nagasaki? Parce qu'ils disent qu'à Nagasaki, c'est pas vrai du tout que cette explosion allait tout détruire, parce qu'aujourd'hui, c'est une ville florissante et il y a plein de choses. C'était vraiment un bug, quoi, pour faire croire aux gens que c'était terrible. Mais Nagasaki revit aujourd'hui comme une ville même beaucoup plus florissante au Japon que n'importe quoi avant. Je n'avais pas l'information. J'ai lu ça quelque part. Alors, les Cassiopéens, dans certains messages de l'année dernière, sont revenus sur l'énergie nucléaire et viennent confirmer ce que tu as reçu, ce que vous avez reçu, à savoir que
ce n'est pas les rayonnements alpha, bêta, gamma qui sont dangereux, c'est l'électromagnétisme qui est dégagé. Oui, c'est parce qu'il ne correspond plus à la 3D. C'est absolument. Ça. Et là, le corps de la 3D ne correspond plus. Il se met en diphase. Voilà. C'est ça. Hein. Et enfin, moi qui ai subi donc, un bombardement atomique, hein, parce que j'étais irradié, je suis vivant, quoi. Ouais. Les copains sont tous morts. Ou t'étais irradié. Et peut-être parce que justement, tu as pu faire ce changement progressif de conscience qui fait que tu t'es adapté à l'électromagnétisme. Absolument. Que d'autres qui n'ont pas fait ce travail de conscience, qui ne se sont pas adaptés à je sais pas trop comment dire en termes scientifiques, mais à cet électromagnétisme qui changeait, eux, ils sont restés en bas. Et ils se sont fait dégommer parce que leur corps n'était plus en adéquation. Absolument. Et en fait, c'est le changement de densité qui fait que notre conscience qui crée une gravitation différente va s'adapter à l'électromagnétisme de ce... environnement. Voilà, avec un nouvel hydrogène, avec un bombardement atomique qui, en fait, ne sera pas un problème si on change nos croyances profondes. Oui, profondes. Mais là, en l'occurrence... Avant que sa conscience, enfin, sa croyance, il ne savait pas, mais son génome, il avait déjà reçu les codes. Ouais. C'est ce qu'on explique dans le cahier 13 où la fille russe, Liana, qu'elle s'est même mieux réparée que son père, parce qu'elle avait déjà reçu ses codes. Les codes ADN. Ouais. C'est l'ADN. Oui, c'est ça. Et donc, sur le coup, elle s'est vite rétablie. Absolument. De quelque chose où elle aurait pu en mourir, quoi. Oui. Parce qu'effectivement, en troisième densité, tu prends des rayons, tu meurs. Absolument. Mais plus en quatrième densité. Parce que c'est nos croyances qui nous font mourir. Non, c'est parce que la quatrième densité ouvre un portail. Et en fait, quand on active nos codes, on traverse le portail. Donc, on arrive en quatrième densité. Mais si on reste en troisième densité, on crame. Oui. Mais moi, ce que je dis, c'est par rapport au staphylocoque, où mon gros exercice et mon travail en ce moment, c'est de voir que quand il y a la maladie qui se déclare, c'est des nouveaux codes qui arrivent. Ouais. Et que si je reste dans mes croyances, je crève. Absolument. Bouffé par mon staphylocoque. Comme arrive. Ah oui. Elle m'a rebuté. Oui, mais alors j'ai une question moi, avant d'aller faire les courses. Attends, je vais aller lui dire. Ah, tu la poses la question. C'est bon, moi. Plus tard. Mais oui, parce que moi c'était par rapport à, tu sais, mes douleurs. J'ai des douleurs de ouf ici, là. Oui, et moi j'avais l'intuition que ça avait rapport avec le Christos. Mais c'était qu'une intuition, je voudrais savoir votre avis. Ben, voilà, je pars pour les courses. On m'avait dit ça. Mais c'est passionnant, hein, tout le dit, c'est passionnant, et le reste aussi. Mais ça correspond à ce que moi je connais, quoi. Hein. Et moi, nous, on a des compteurs GGR. Moi, je peux vous dire qu'actuellement, c'est la des compteurs, oui, qui m'a compteur de GG. Oui, c'est ça, je ne savais pas si c'était un jeu de mots. Non, c'est pas un jeu de mots. Ce sont des compteurs qui permettent de faire des mesures, des radiations, de radioactivité. Compteur Geiger. Ah, c'est comme ça que c'est ce qu'on annonce. Oui, les compteurs de chair. Ça nous permet de connaître instantanément les rayonnements alpha, bêta, gamma. Oui, c'est alors, alpha, alors je ne sais pas, je confonds entre tout pour le message que vous avez et les casiopéens, parce qu'ils en parlent aussi. Quoi. Et il dit, en cas de problème nucléaire, l'idéal, c'est de s'enfermer chez soi, tout fermer, couper les ventilations et d'augmenter la dose d'iode. Laissez passer, après c'est bon. Comment ? Et laissez passer la température. Et tu laisses passer parce que le rayonnement alpha, les plus faibles, 24 heures. Ouais. Au bout de 24 heures, il n'y en a plus. Ils sont montés. Bêta, ça demande 5-6 jours. Et gamma, c'est beaucoup plus long. Quoi. Mm-hmm. Voilà. Et c'est surtout les gamma qui sont porteurs d'un champ électromagnétique très puissant. Bonjour. 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 Au revoir. Elle va bien. Ah oui, elle va bien, ouais, très fraîche, tout bon. Non, pour moi c'est passionnant parce que on n'aura pas besoin de guerre nucléaire, mais uniquement avec des cyclones et autres,
faut savoir, par exemple, que la France, nous avons une dizaine de centrales nucléaires sur les océans et la Méditerranée, et que la moindre vague qui fait 14 mètres de haut, ben, c'est tout. Donc, on sera irradié de façon merveilleuse. Et joyeuse. Et tout va bien. Pas aussi joyeuse, parce que la première chose que, au niveau nucléaire, c'est les poumons. Tu l'as expérimenté. Et ça te brûle. Ça fait donc, toi, c'est ce que tu as vécu en fait. C'est ce que j'ai vécu avec les copains, pas moi. D'être irradié. Ah, tu les as vus eux, mais toi, tu n'as pas ressenti ça. Non. Alors que j'étais responsable de tout le groupe et que j'ai tenu des roches radioactives dans les mains. Mais moi, j'en étais pas conscient. Donc, si tu veux. Mais tous avaient des problèmes, on les a fait descendre, on les a ramenés, rapatriés en France, les poumons brûlés, quoi. Et puis, bon, les uns après les autres sont morts. Mais très rapidement, quoi. Donc, c'est une chose que je connais, que j'ai vécue. À l'époque, j'avais pas l'iode, je ne connaissais pas. J'avais un avantage, c'était la jeunesse. Parce que j'étais en stage d'école. Et je suis resté 2 ans donc en Algérie. Pour moi, c'est une belle expérience qui aujourd'hui peut me servir. Ah, ben oui. Voilà. Une très belle expérience, j'aime bien. Ce que tu as vécu, quand je l'ai lu, je me dis, c'est exactement ça. Ce qui est formidable, c'est que dans le texte, on va le voir dire tout à l'heure, dans celui-ci ou dans un autre, dans le 11, 12, 13, où il parle que faut pas s'arrêter aux petits bobos. Ah oui, Il était quand même à une échelle de douleur de 19 sur 20. Oui, quand j'ai vu le pourcentage, il dit voilà. Moi, je ne l'ai jamais vu comme se plaindre. Alors, j'ai des cachets spéciaux qui font qu'en cas de douleur extrême, bon, je prends un cachet dans les 24 heures, dans les 2 heures, la douleur s'arrête. C'est vendu en Russie. Ouais, mais nous, on ne prend pas de cachet. On traverse la douleur. C'est ça, exactement. Pour moi, qui est. Ma perception, c'est qu'on va vers un problème nucléaire, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas. Mais serait-ce que par les tremblements de terre qui sont en train de se produire de façon folle. Les météorites, les volcans. Les volcans se réveillent de partout. Il y en a partout, oui. Voilà. Moi, j'ai des amis à La Réunion, ils sont catastrophés parce que comment il s'appelle à La Réunion ? Je ne connais pas. Bon, le volcan de La Réunion s'est réveillé. Le piton. Et il y a une faille de 150 mètres qui s'est ouverte sur un côté, et la lave crache par cette faille. Et là, il commence à être un peu inquiet. On regarde Hawaï. Hawaï. Hawaï, c'était ce qui se passe. Ils prétendent même que ça a été provoqué. Et une question encore. Vas-y. Par rapport à l'hydrogène, là, de ce qu'on disait sur changement de densité, est-ce que toi, ça t'évoque des trucs par rapport à tes informations scientifiques Alors, si tu veux, oui. Je vous ai envoyé un document de Russie, là, sur... On est en train de découvrir, mais je ne savais pas, que nous fonctionnons avec du gaz carbonique. Ah oui. Et là, j'ai pas encore tout bien, très bien compris le phénomène. Évidemment, tout de suite, je me suis fourni avec l'appareil russe. J'ai la technologie. Voilà. Et un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir, je respire un système. Et alors, c'est là où j'ai appris que les urgentistes, donc tu as dû le connaître, quand ils ont sur le bord de la route ou un accident, quelqu'un qui est en train de s'évoquer, ils lui mettent un sac en plastique sur la terre pour qu'il respire son gaz carbonique. C'est ça. Et il reçoit ça. Combien de temps ? Pas longtemps. Ah bon, parce que... Non, c'est un truc. Vas-y. Ah oui. Ce que le document que tu avais envoyé, il expliquait que c'est comme les sportifs de haut niveau qui vont en altitude s'entraîner,
du coup, ils développent leur capacité respiratoire du fait que l'oxygène est appauvri en... que l'air est appauvri en oxygène. Donc, plus riche en gaz carbonique. Plus riche en gaz carbonique et en hydrogène. Ils bénéficient d'un organisme bien plus puissant. Bien sûr. Alors, j'ai un appareil, l'appareil russe, qui permet de connaître en 3 minutes ta capacité respiratoire du gaz carbonique. Mmh. Et un enfant tourne à 6, 6,5, 7. Mmh. Alors que quelqu'un d'un certain âge tourne à 3, 3,5. Ah oui. Et alors je suis très fier parce qu'actuellement je suis à 5. Donc il faut que j'arrive à 6. Mmh. Hein? Mais ça c'est ma folie. Mais par contre, j'arrive pas encore, j'ai pas encore saisi pourquoi le gaz carbonique est important dans le sang. Parce que le gaz carbonique provoque la dilatation des vaisseaux. Quand tu respires donc il ne faut pas le faire, hein, c'est dangereux. Hein. Tu respires dans un sac plastique, tu respires du gaz carbonique. C'est sûr. Tu respires 2-3 fois, ça marche, mais après il faut... il faut respirer de l'oxygène. Oui. Mais pendant qu'on respire du gaz carbonique, les vaisseaux se dilatent. C'est ça. Le vaisseau se dilate, donc en fait, l'afflux sanguin il est plus rapide dans le voilà. Donc, l'oxygène est mieux diffusé. L'oxygène, hydrogène. Les deux, voilà, est mieux diffusé dans l'organisme. Tout à fait. C'est juste un vecteur. Un déclencheur de la dilatation du vaisseau. D'accord, voilà. Là je comprends maintenant. Ouais. Ok, super. On continue. Vous pouvez d'ores et déjà observer l'accumulation des signes annonciateurs qui entraînera l'explosion de la poudrière sociétale en Europe et dans le reste du monde. Toutefois, et pendant ce temps, la nouvelle Terre de troisième densité, la jumelle encore invisible de la Terre actuelle, entame sa fin de gestation dans l'antimatière. Mais parce qu'il perçoit l'espace-temps dans une continuité linéaire, cette gestation ne peut être admise ou comprise par l'esprit humain limité. En réalité, si on peut le dire ainsi, la nouvelle Terre est simplement très proche de votre réalité présente, suspendue en une sorte de stase, sur une ligne de temps parallèle provenant d'une sixième densité du futur. Et cette stase est provoquée par notre conscience. la partie inconsciente de notre conscience. Oui. Parce qu'en fait, cette stase est parce qu'on est en train de la créer ensemble. Tu comprends ? Tu peux définir le mot stase ? Stop. Tu entends une suspension dans l'air. Okay, d'accord. On est suspendu parce que c'est notre conscience qui est suspendue. C'est le point zéro, en fait. C'est... Non, le point zéro, c'est le présent. Et c'est encore le point moins un, si tu veux. Ouais, c'est avant. Juste avant zéro. Ouais, ok. Si on veut. Quand on approche de cet équilibre. En fait, cette stase, pour l'instant, c'est comme si l'ancienne Terre, elle est là. La nouvelle Terre, elle est en train de venir. Mais elle attend que l'ancienne disparaisse pour se mettre en place. Pour qu'elle sorte de l'antimatière. Oui, pour qu'elle sorte de l'antimatière. C'est ce que tu expliquais d'une autre manière en disant que les deux terres cohabitent. Oui. Pendant un moment, le monde SDS et SDA cohabitent dans la même réalité. Et il y a un moment précis où les deux se scindent. Oui. Se scindent, énergétiquement. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Mais là, on parle vraiment de la matérialisation de cette terre. Hein. Mm-hmm. Parce que là, elle est en stase dans l'antimatière. Oui. Parce qu'elle est en stase dans notre conscience. Parce qu'elle est en construction. Oui. Et cette réalité-là, elle va se manifester matériellement. Il y aura deux terres alors ? En fait, c'est ce qu'il expliquait. Oui. Il y a deux terres. En fait, je m'en parle déjà ce matin. Oui, c'est spécial. Toute planète est constituée d'abord par le minéral. Quand tu regardes la Lune, tu vois que de la poussière. Tu regardes Mars, il y a de la poussière. D'autres planètes, c'est peut-être du gaz. Et avant d'être minéral, il est gazeux. Gazeux, la première consistance physique du gaz, c'est le minéral. Donc en fait, le minéral, il existe, il est commun à toutes les planètes. Nouvelle Terre et ancienne Terre, c'est la même chose. Le minéral, c'est la même. C'est-à-dire, c'est le même caillou. L'ancienne et le nouveau. Okay. Par contre, l'ancienne Terre, il y a les plantes qui sont complètement détruites, irradiées, etc. La nouvelle Terre, ce sont de nouvelles plantes qui sont purifiées.
tu vois. Donc, dans l'ancienne terre, il y a les forêts qui sont détruites, il y a, l'océan qui est détruit, qui est pollué, etc. Une nouvelle terre, c'est la même terre, sauf que... Elle est vivifiée. Elle est vivifiée, il y a de nouvelles plantes, il y a de nouveaux arbres, il y a de nouvelles forêts, il y a de nouveaux océans, etc. Même les continents ne sont plus les mêmes. Est-ce que ce ne sera pas deux entités, c'est la même l'une qui va se fondre dans l'autre. Elle est fondue l'une dans l'autre. Elle est fondue. Comment dire, le minéral, c'est le même. Le monde minéral, le caillou, c'est le même. Sauf que déjà, la deuxième. Voilà. Ça fait comme ça. C'est la même chose. La deuxième densité, c'est le végétal. Donc le végétal, il est déjà différent. Okay. La troisième densité, c'est le monde animal, c'est encore plus différent. Et la quatrième densité, c'est. Hétéroclite. Sinon, c'est comment opposé. Comment il y a de tout. Si tu regardes la Lune, c'est quoi? C'est un ancien morceau de la Terre. Mm-hmm. Si tu regardes Mars, Mars, c'est quoi? C'est une ancienne Terre. Qui s'est éteinte. Qui s'est éteinte. Mm-hmm. Pourtant, quand on sait que c'est Mars, il y a toujours des entités qui vivent. Mm-hmm. Mais ils ne sont plus dans le plan physique, ils sont sur le plan éthérique. Mais c'est une planète guerrière. Éthérique. Mm-hmm. Donc c'est une planète de quatrième densité SDS. Okay. Bon. Oui, on n'a pas les outils pour les voir. Ils sont bien là. Oui, mais c'est toujours notre pensée linéaire qui nous limite et qui nous restreint à voir. On n'a pas les outils pour les voir avec leurs outils, là, les futuroscopes et compagnie, mais il y a du monde. Il y a des choses qu'on peut voir à l'infrarouge. Donc, ils peuvent voir des entités, des fois, à l'infrarouge. Ou des choses qu'on ne voit pas à l'œil, quoi. Mais comme ça, tu regardes Mars, c'est... Et certaines entités SDS, ils ne peuvent même pas voir la vie sur Terre. Ils pensent que la Terre, c'est juste un caillou. Mmh. Parce que les entités SDS, ils nous regardent d'un point de vue du passé ou du futur. Comme nous, on regarde la Lune. Oui. Mmh. Nous, quand on voit la Lune, on voit une partie de la Terre dans le passé. Pourtant, elle était habitée, cette partie-là. Elle n'est pas vraiment, artificielle, comme on dit. On dit que la Lune est artificielle. Oui, parce que c'est un ancien morceau de la Terre détruit. La Terre, dans le futur, elle sera détruite et elle sera complètement artificielle. Parce qu'il y a seulement une face et l'autre face, on ne la voit pas. Tout ça, là, que ça a été construit, là, semble-t-il, c'est ce qu'on dit, ce que j'ai lu. En fait, il y a plein de choses qu'on a du mal à comprendre par rapport aux densités. Si je prends l'histoire de... Comment ça s'appelle ? Bon, déjà, Anton Parks et Steve Curry, puis le troisième qui voulait... aller voir l'intérieur de la Terre. Ils voulaient faire une expédition en passant par le pôle Nord pour voir l'intérieur de la Terre. Tu connais cette histoire? Oui. Voilà. Ils n'auraient jamais retrouvé l'intérieur de la Terre. Ils auraient juste changé de densité. Parce qu'en fait, le pôle Nord et le pôle Sud, c'est là où les pôles sont le plus... l'électromagnétisme est le plus important. Et c'est là, en fait, que s'ouvrent les portes dimensionnelles. Ils ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur de la Terre. C'est juste une autre densité. Une autre dimension. Ouais. Une autre porte, quoi. Parce que sur Terre, il y a plein de dimensions qui sont contiguës ou imbriquées, etc. Tu vois. Mais en fait, on s'imagine toujours qu'il y a une seule Terre. Il y a plein de dimensions qui sont superposées ou comme imbriquées. Voilà. En fait, l'esprit linéaire humain, on a du mal à concevoir ça. Il faut aller dans la tétravalence, comme qui dit, la troisième possibilité, qu'on n'imagine pas du tout. Vas-y. Toute planète de troisième densité qui fonctionne sur un mode de dualité et qui est préparée à ascensionner dans une réalité supérieure possède sa jumelle éthérée dans les densités supérieures. Et pourquoi? Parce que la conscience est déjà en train de la préparer. Et chaque conscience. Oui. Cette jumelle représente donc un potentiel de création exprimé et réfléchi par des consciences créatrices supérieures, les Kadistous créateurs de monde. Ainsi, lorsqu'un nombre suffisant de consciences humaines de troisième densité sera connecté à elle dans le but de la co-créer, elle émergera progressivement de l'éther comme votre nouvelle réalité. Donc c'est ce qu'on est en train de faire là. Quand suffisamment de monde sont rassemblés pour le même la préférence manifeste. Elle prend forme. Parce qu'elle a fait de force pour prendre forme. Ouais. Ceci dit, les mots, elle émergera progressivement de l'éther.
c'est nous quand on va le vivre, c'est ça se matérialisera progressivement ça dans la matière. Oui, oui, oui. C'est pas le monde éthéré qui va arriver comme par magie, quoi. C'est vraiment quelque chose. Non, il faut qu'on on se mette en travail. Je dis ça parce que ça peut être pris par des consciences version New Age. C'est tu vois, les le monde deux, éthéré. Dans les deux sens. Oui. Les deux sens doivent se rejoindre. Il y a la conscience. Nous, on doit élever notre conscience et il y a l'ange qui descend. Mais du coup, c'est en œuvrant nous dans la matière et en faisant effectivement descendre la conscience de l'ange que cette matière-là va progressivement se transformer, en fait. Dans votre futur de quelques millions d'années, cette nouvelle Terre sera densifiée, visible et bien réelle en troisième densité dans votre système solaire. C'est pour cette raison qu'elle figure sur le crop circle de Shibbolton. Vous savez désormais que l'espace-temps tel qu'il est perçu par les humains de troisième densité n'est pas la réalité. Car un futur de plusieurs années pourrait très bien se réaliser dans quelques minutes, demain, la semaine prochaine ou dans quelques mois, à partir du moment où l'individu, définitivement libéré de toutes ses croyances limitantes, parvient à générer puis voyager dans son propre vortex temporel. C'est pourquoi, observé depuis des densités de réalité plus élevées, il est désormais établi que la nouvelle Terre démarrera son nouveau cycle par une fréquence de réalité parfaitement stabilisée, exprimant un milieu de vie prospère et tolérant, doté d'une société humanoïde, mais pas forcément humaine, plus harmonieuse et équilibrée, qui prendra mieux en compte les besoins de ses résidents. Pouvons-nous avoir quelques petites explications supplémentaires ? Parce que sur cette planète, nous allons nous donc revenir, ou pas revenir, ça dépend. Est-ce que l'ange vous a donné des informations sur le côté humanoïde de ces êtres ? Oui. Les gris, ce sont des humanoïdes. Il y aura des gris parmi nous, des gris positifs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pour ça que j'allais parler du côté SDS et SDR et des pourcentages. C'est un truc très compliqué. Les gris, ce sont les humanoïdes du futur de quatrième densité, donc de notre futur, mais SDS. Positif. Mais positif à 49% positif. Avec un gros pourcentage. Mais ils ont encore le pourcentage SDS. Attends, 49% de quoi ? De positif SDS. Par contre, ils ont... SDS plus. SDS plus. Mais... Non. Attends. SDR ? Attends, deux minutes. Non, ne parlez pas tout en même temps. Les gris, dans le futur, ceux qui vont nous visiter, ils auront une part... Maintenant, je ne parle pas d'autre chose. Juste d'un... Je ne vais pas donner de pourcentage. Du coup, ça vous partez perdu. Oui. Ils ont un gros pourcentage SDA, mais ils n'ont pas pour dépasser... Le seuil. Les 49%. Le milieu, la bascule. Ils n'ont pas fait la bascule. Ils ont peut-être 45, 40, voilà. Ça veut dire qu'ils sont prêts de le faire, mais ils ne l'ont pas fait pendant qu'ils étaient incarnés. Donc il faut qu'ils refassent un tour dans un cycle humain. Donc les gris dans le futur vont redevenir humains. Mm-hmm. Enfin, une âme humaine, quoi. C'est pas forcément. Voilà. Ils vont retourner dans un corps humain pour pouvoir amener leur âme dans un cycle SDA. Pour faire la bascule de ce fameux 1% qui est entre les 49% qui bascule à 51%. Si on veut. Voilà. Enfin, c'est juste pour ramener les pourcentages pour comprendre. Et c'est qu'en fait, il y a ce moment charnière qui est super important. Donc en fait, il faut bien comprendre que. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette vision maintenant. Tu sais, quand on était à SEM, là, les aides qui faisaient ça sur les pierres. Ben ça, c'est les clés du futur qui sont revenus en SDR. Mm-hmm. En fait, qui ont fait la boucle pour revenir en SDR. Mm-hmm. En fait, ils nous ont fait beaucoup parce qu'ils nous remercient de les aider. Yalo jana ale maso segima nderini nderini ngabe disa nejarabi mbafe ganyalo nyala.
Les anges gardiens des SDS positifs du futur. Donc en fait, si tu regardes la différence entre un gris humanoïde, donc on ne peut pas dire humanoïde dans le sens humain, c'est plutôt des... comment ça s'appelle? Des mixtes... Des hybrides, voilà. Des hybrides humains-gris du futur qui reviennent dans notre... qui viendront peut-être sur les colliers ou des choses comme ça. Sur les colliers, je ne sais pas. Et il y aura des humains, nous, dans le futur. Mm-hmm. En fait, qu'on sera plus, aussi musclés, peut-être plus petits, je ne sais pas. Mais en fait, ce ne sera pas du premier temps, ce sera au fur et à mesure de l'évolution. Mm-hmm. Donc, pour répondre à la question de GG, à quoi ressembleront les humains, je pense que tu parlais de la SDA. Oui. Ça rejoint un peu, pas qu'un peu, mais les Namlou, en fait. Non, parce que les Namlou, ce n'est pas lui. Ouais. Et puis c'était une ligne temporelle déjà existante. Ça, on ne sera pas poilu. Elle est trop contente. Oh, je venais à vous accepter mes voiles. Donc en fait, là, c'est des spéculations, c'est des projections, mais je comprends ça à peu près, tu vois. Oui, oui. Je ne peux pas dire exactement comment ça, mais... Oui, mais en gros, il y a deux branches vivre en fait en parallèle, qui sont des êtres au fort potentiel SDA. Et non, au potentiel SDA, et un fort potentiel de SDS positif. Ouais. Voilà. Ils vont se côtoyer, ils vont être en même temps. Oui. Ils vont se reconnaître. Et du coup, il y en a qui seront plus, en tout cas dans l'énergie physiquement, j'en sais rien, mais gris, de ce que tu dis que ce sont les gris qui sont revenus du futur. Physiquement, ils seront plus... Ils seront, en fait, aujourd'hui, on a du mal à comprendre ce que c'est un gris. Ouais. Mais disons, c'est des gris. Oui, ok. Mais SDS positif, qui vont côtoyer des humains. Des nouveaux humains. Mmh. Ouais, pour continuer leur apprentissage. Ouais. Ouais. Donc ça rejoint les informations qu'on avait sur le quorum. Vas-y. Voilà, c'est ça. Non, tu as commencé, vas-y. Que du coup, les Cassiopéens, ils soulignent, donc dans le dernier chapitre, là, le chapitre 13, où j'ai mis des passages, que les Cassiopéens, ils soulignent le fait que le quorum, qui est un groupement d'individus, enfin un collectif d'alchimistes qui ont décidé... qui ont œuvré pour faire ce travail de transformation à l'intérieur, ben en fait, les Cassiopéens, ils donnent des informations qui sont assez déroutantes pour l'équipe de l'Oraknight, mais c'est que ce quorum, il est en fait constitué des deux polarités, c'est-à-dire SDS, donc ils parlent de comment ça se fait que dans la franc-maçonnerie, il y ait à la fois le quorum et les Illuminati. Ben, ils disent, ben, c'est normal, parce que en fait, c'est les deux polarités, donc SDS plus SDA, qui vont se créer en fait le qui collabore. Un quorum. L'équilibre. Oui. Puisqu'il faut ces deux polarités toujours à différents niveaux de conscience pour créer cet équilibre. Donc ce collectif, il va être fait de ces différentes consciences qui vont être en équilibre et qui vont permettre cette construction de ce nouveau monde en fait. Du nouveau monde. Ouais. Ouais, et ça, pour nous, c'est...
un peu bizarre. Donc vous pouvez bien comprendre pourquoi, c'était à Vic de Sauce, on a eu le salut de tous ces entités avec les trois doigts. Mmh. Comment ? C'est en fait des gens qui faisaient partie du quorum que nous, et qui nous ont reconnus, en fait, qu'on a convoyé. SDS+. Ouais. Qui reconnaissaient leurs confrères SDA en, voilà, en cheminement. Est-ce que, par rapport à la question que tu as posée, moi, ce qui me vient en réponse, juste ou pas juste, j'en sais rien, mais moi, ce qui me vient, c'est que, en effet, il y aura, comment dire, pas que de forme humaine, mais humanoïde, des collaborations. Mais après, je pense, c'est ça ou à voir, je ne sais pas, que ce n'est pas tout le monde qui aura accès à ces autres humanoïdes. C'est pour ça que... Parce qu'il faut quand même acquérir une certaine sagesse du non-jugement. C'est-à-dire que tant qu'il y a la polarité SDS qui demeure, il y a toujours du jugement. C'est comme ça, c'est une fréquence. Mmh. Et ce sera comme les Kachina. Mmh. Les Kachina étaient visibles pour certains, pas pour d'autres. Mmh. D'accord. Ça dépendra de la sagesse de l'âme. Donc, c'est pas je veux, moi, je considère que. C'est en fonction de notre vibration. Mmh. Donc, on va attirer à nous des êtres qui rentrent en résonance avec ce qu'on vibre. Mmh. Donc, en effet, si on vibre une fréquence SDS, même qui n'est pas, pour faire du mal, ça ne sera pas encore possible. Absolument. Il y aura un cheminement à faire. D'accord. Et c'est pour ça que, moi, ça m'a énormément parlé, l'enseignement d'Ours Blanc, mais vraiment parlé. Mais parler à mes cellules, je reconnaissais cet enseignement où, effectivement, c'est comme on est dans un escalier et chacun est à une marche. Celui qui a une certaine marche, il ne voit pas ce qu'il y a plus haut, ou tout dépend où on se situe sur la marche de l'escalier. Et au plus on approche du sommet, au plus on nous apparaît des choses qui n'étaient pas visibles quand on était à des marches en dessous. Et ça rejoint un truc important que Gurdjieff disait, que moi ça m'avait bien impacté en fait, par rapport. C'est toujours ce truc de la pyramidale et hiérarchique qui revient. Alors, c'est diabolisé en version SDS, mais en fait, ça existe aussi en version SDA. La preuve, Ours Blanc, il explique ses étages d'apprentissage, et c'est ce que nous, on constate. Mm. Et ce qui m'a beaucoup parlé dans ce que Gurdjieff disait, c'est que, en fait, quelqu'un qui a un étage de conscience sur une marche, s'il veut gravir l'autre marche, il faut qu'il permette à d'autres gens de monter la marche en dessous. Mm. Parce que s'il ne permet pas... Service d'autrui. Donc, s'il ne permet pas à d'autres personnes à s'élever une marche au-dessus, lui, il ne pourra pas monter une marche encore au-dessus. Et en fait, c'est ça qui illustre parfaitement, je trouve, le rôle du quorum, du l'école-lieu, où en fait, chacun avec son niveau de conscience va permettre à quelqu'un de monter une marche ou. Lui, en montant une marche, va permettre à l'autre au-dessus de encore monter une marche. Et en fait, c'est tout un équilibre qui se crée entre différents états de conscience. Mm-hmm. Et c'est pour ça que c'est pas ah oui, toi, t'as pas réglé tel problème karmique, c'est un problème. Non, chacun vient avec sa propre volonté de voir son prédateur. Mm-hmm. Il en est là où il en est. Ce qu'il faut, c'est la conviction profonde. Mm-hmm. Et à partir de ce moment-là, chacun avec son état de conscience différent, chemine, et du coup, celui qui est en bas, il a tout autant sa place hyper importante que celui qui est tout en haut. Bien sûr, parce que lui aussi, il aide à faire avancer. C'est la preuve que chacun devient enseignant et élève. Oui. Et enseigné, c'est ça. Enseignant et enseigné. Plus il monte. Et dans cet audio, pardon, l'audio que tu avais enregistré avec un couple qui avait eu... Oui, Clémence et Marc. Ouais. Voilà, ouais. J'avais vu ce bruit à travers les sons d'échographie à cette jeune fille. Ouais. Vous l'aviez vu aussi ? Je suis pas allée voir, franchement, j'ai pas été voir. C'était pour un clin d'œil d'Alter. Mais du coup, j'avais eu tant d'infos et j'étais débordée d'autres informations. Ouais, mais
Donc toi, tu avais vu dans l'échographie. Moi, j'ai vu son visage. Si, on l'a vu, nous aussi. Ouais, on l'a vu, oui, pardon, j'étais pas présente. C'était, voilà, c'est l'altère qui dit... Oui, je l'ai vu, moi aussi. Ah, ok. Ah, oui, moi, j'étais trop focalisée sur la technique, je l'ai pas vu. Ah, pourtant, il est flagrant. Hein. Ouais, mais parce que quand on n'est pas porté dessus, à ce moment-là... C'est là où tu as la version petite du... Quand c'est rétabli ou c'est au début quand il est gros le... Ah, je le marque sur le truc à 3 minutes et quelques, si tu vraiment, t'as même pas besoin de chercher, c'est, tu vas sur les photos et j'irai voir. Non, mais j'avais noté exactement à laquelle minute et quelle seconde on le voit bien. Ouais, comme ça t'as pas à chercher. Okay. Il n'y aura pas de place pour une élite incompétente et corrompue. Tout est là. Elle sera... tout au plus remplacé durant la transition par une sorte de conseil humanoïde de grande sagesse et beaucoup plus respectueux des lois universelles. L'accumulation des richesses matérielles n'y aura plus aucun sens. L'autorité du dieu argent et son énergie corrompue, telle que vous la connaissez encore pour le moment, n'existera plus en quatrième densité. Rien n'aura cours tel que vous le connaissez encore pour le moment. La nouvelle Terre, utopie de quelques illuminés, pensez-vous ? Attendez de voir, car l'onde de changement, séparatrice de potentiel de réalité, est déjà à l'œuvre. Toutefois, comme ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, les consciences SDA y continueront à côtoyer les consciences SDS, mais cette fois dans un nouvel équilibre et dans d'autres genres d'expériences. Les signes avant-coureurs de ce changement se révèlent déjà à celui qui sait observer avec objectivité. L'humanité, dans son cycle actuel, arrivera bientôt à la phase finale de son initiation. Elle aura ainsi accompli une grandiose expérience conduite de concert par les êtres de conscience supérieure SDS et SDA. Alors, question. Quand on parle... Ça va être comique. Qu'est-ce qui se passe ? Il regarde la N'oublie pas ta question, GG. Hein. Vas-y, continue. Oui. Tu regardes le temps ? T'es pas là. Il regarde le temps. C'est le temps, si on a dépassé. Ah oui. Sinon, on fait une pause avant ta question, GG. Déjà. Alors, on a plus de questions. Vas-y, non, il fait pose sa... ta question. Question, GG. Question. Quand on parle que nous sommes dans une grandiose expérience conduite de concert par les êtres de conscience supérieure SDS et SDA, qu'est-ce que vous entendez par grande expérience, grandiose expérience ? Ce qu'on vit là, à l'heure actuelle, la transformation, ce que toi tu dis, oh les pauvres, pourquoi ils vivent ça ? C'est une expérience. C'est une expérience. C'est ni bien ni mal. Qui va les emmener vers quelque chose de beaucoup plus grand. Oui. D'accord. Qui va leur permettre la transformation. Ok. Qui, en fait, c'est une possibilité de transformation qui est offerte à l'humanité. D'accord. Alors, il y a un petit paradoxe parce que nous allons vers une autodestruction de la race humaine. Pour certains. Oui, enfin, pour 90%, 95%. Ouais. Quoi, hein. Oui, en fait, c'est toujours l'histoire que c'est cyclique. Donc, effectivement, ceux qui vont passer par cette grande phase de destruction, il va y avoir un nouvel âge d'or qui va démarrer. D'accord. Et à partir de là, hop, redémarre un cycle où eux, et ça va leur permettre de refaire tout le processus de conscience à karmique de et tout ça. Etc. Voilà, et pouvoir c'est là où tous les prédateurs peuvent venir s'incarner dans un corps humain pour... C'est ça. Pour à nouveau vivre tous les cycles de l'humanité, pour passer en SDA. D'accord. Et il y en a qui loupent le coche, il y en a qui prennent le coche. Ouais. Et ceux qui loupent le coche, c'est parce qu'ils ne sont, sont pas prêts, ils doivent revivre un cycle. D'accord. Et si on pourrait faire un parallèle juste un instant, c'est comme quand on a l'école et qu'on arrive en fin d'un cycle scolaire pour passer à un autre. D'accord. Donc, genre, j'étais en troisième, il faut bien que je laisse ma place à ceux qui vont arriver. Moi, j'avance et il y a quelqu'un qui va prendre, qui va arriver en troisième. D'accord, oui, ok. Ouais. Tu veux dire quoi, Génaël ? C'est fini. Il faut arrêter. Thank you.
la nuit où aller.